intéressant sur les questions que pose l'irruption du numérique dans nos sociétés. Et ce soir, nous allons parler de genre et numérique, de sexisme, d'égalité, de mixité, avec des questions essentielles comme par exemple, pourquoi est-ce que quand on tape dans Google, les femmes doivent, la réponse, une des premières propositions est faire le ménage. Pourquoi a-t-il fallu attendre plus d'une année pour avoir une application aidant les femmes lorsqu'elles ont leurs règles? Pourquoi les bases de données d'images sont remplies de femmes en infirmières et d'hommes en médecins? Parce que, je vous dis tout de suite la conclusion, parce que sont inscrits les biais sexistes de notre société dans le numérique. Mais peut-être plus encore, étant donné que les hommes ont largement remplacé les femmes dans les filières de formation au numérique. Et on va étudier ces questions avec nos trois invités que je vous présente immédiatement. Nous avons Isabelle Collet au centre de l'espace, donc chercheur et professeur à l'Université de Genève sur le genre et les rapports intersectionnels. Vous nous expliquerez comment vous en êtes venu, vous qui êtes issu de l'informatique, à vous intéresser à ces questions. À votre gauche, nous avons Anka Alexandra, et votre nom m'échappe complètement. Moka, voilà, c'est ça. Je me disais qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il y avait évidemment un intro. Vous êtes data scientist et vous nous expliquerez aussi ce que c'est que ce métier, donc ici, chez IBM Strasbourg. Et tout là-bas, il y a Katia Buisson, donc vous êtes directrice chez IBM Interactive et vous êtes donc en charge, j'imagine, du recrutement. Et vous nous expliquerez évidemment ce que ça veut dire quand vous avez des impératifs de mixité et pourquoi vous les maintenez. Ou pas, peut-être. Voilà, donc vous avez des micros là. Ma première question est pour vous, Isabelle. Vous êtes issu de l'informatique, comme vous nous l'avez raconté lors de votre interview. Et puis, vous avez eu du mal à trouver votre place dans ce monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette question de la place des femmes dans le numérique? Alors, moi, je suis devenue informaticienne parce qu'en fait, je n'ai pas compris que c'était un métier d'homme. Et en plus, je m'en étais même pas rendu compte. Hein, je n'étais pas très observatrice à l'époque. Mais à l'époque, je disais, l'égalité des sexes, on l'a, il n'y a pas de problème, les hommes et les femmes, c'est pareil. D'ailleurs, moi, je fais de l'informatique, ça prouve bien que les filles, elles ont qu'à se bouger un peu et elles pourront le faire, etc., etc. Bon, j'ai réfléchi depuis. Hein. Enfin, à l'époque, j'avais 20 ans, c'est l'idée que j'avais. Et donc, j'ai fait une licence en traitement d'images numériques. Donc, en plus, c'était vraiment un domaine où il y avait peu de femmes. Et à l'époque, il y avait quand même quelque chose qui m'avait un peu laissé perplexe, c'est que le directeur de promo m'avait dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes, on a fait un effort pour en mettre dans cette filière. Alors, moi, je m'étais dit, ouais, mais pour les autres. Hein, parce qu'évidemment, moi, j'y avais ma place. Enfin, on protège son estime de soi comme on peut. Mais effectivement, j'étais une informaticienne quota. Maintenant, je l'assume et je le vis très bien. À l'époque, j'étais éventuellement un peu mal à l'aise avec cette idée. Et je suis quand même sortie quatrième de ma promo. Donc, informaticienne quota ou pas, visiblement, j'étais à ma place dans cette filière. Mais par contre, là, il y a eu un premier couac. C'est qu'en sortant, bien que je sois sortie quatrième, je me suis dit, je suis à fond. Je suis à fond de mes compétences en informatique. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire plus. Bon, rétrospectivement, je me rends bien compte que c'est absurde. Mais par les gens que je côtoyais, par le monde informatique tel que je voyais, par les propositions qu'on pouvait me faire, enfin, je n'avais pas l'impression qu'on s'attendait à plus de compétences de ma part et à ce que je poursuive. Donc, je cherchais du travail. Et là, les choses se sont gâtées parce que, alors que j'étais absolument convaincue que les hommes et les femmes, c'était pareil, j'étais une jeune femme mariée, donc en capacité de faire des quantités considérables d'enfants, dont j'allais évidemment m'occuper exclusivement. Et en plus, je suis arrivée sur le marché en 91, qui est à peu près le seul moment où il y a eu une crise dans l'informatique et où les sociétés ont débauché, ce qui s'est à peu près jamais reproduit. Donc, vous voyez, je cumulais. Je n'avais qu'une licence,
J'avais pas d'enfant alors que j'avais 23 ans et c'était une période de crise. Donc j'ai pas trouvé de travail. Alors si j'ai trouvé du travail comme le font les femmes, dans la formation. Donc en général c'est la formation, la documentation et quand on a de la chance le marketing. Donc moi j'ai trouvé du travail dans la formation, c'était que des travaux précaires, de courte durée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, j'arrive pas, quoi. Il va falloir que je trouve autre chose. Et donc, là, Alors, j'ai eu un enfant entre-temps, et je suis arrivée à Paris. J'ai commencé des études en sciences de l'éducation parce que j'avais travaillé dans la formation sans avoir aucun diplôme de la formation. Je me suis dit, il m'en faut un, ce serait quand même logique. Et là, j'ai découvert les études genre, et je suis restée. Super, parce que du coup, ça vous donne cette capacité de vous avez à la fois un background métier et sur les études de genre, donc vous êtes allé, vous avez fait une thèse, donc à l'université de Paris-Nanterre. Voilà. Comment a été reçu l'accueil de votre sujet de thèse? Alors, en fait, moi, j'ai voulu faire cette thèse parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. De mon temps, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'ai l'impression que c'est pire en pire. J'ai commencé à regarder un peu. Donc là, on est en 2000. Hein. On est en 2000. Ouais. J'ai vu qu'effectivement, de mon temps, on était un petit quart. En 2000, on était passé plutôt en dessous du 20%. J'ai fait des recherches. J'ai vu que dans les années 80, on était plutôt entre 30 et 40%. Donc visiblement, il se passait un truc. Et donc, j'ai commencé à me dire... puisque j'avais entre-temps rencontré les études genre, et j'avais commencé à comprendre que ce n'était pas seulement parce que les femmes, elles ne se motivaient pas, que c'était un peu plus compliqué que ça, les raisons. Donc je me suis dit, j'ai envie de travailler sur pourquoi si peu de femmes, et en fait, ce n'est pas si peu de femmes, pourquoi tellement d'hommes dans les études d'informatique. Alors que dans les années 2000, c'était le boom des formations. Voilà, alors dans les années 2000, alors là, il suffit de se présenter, n'importe qui avait un diplôme vaguement d'informatique était embauché, même s'il n'avait pas d'enfant, là, pour le coup, ça marchait bien. Voilà. Et pourtant, on se retrouvait quand même pas mal entre hommes. Alors, et là, heureusement, ça a intéressé une personne, c'était ma directrice de thèse, Nicole Moscone, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que dans le monde de l'informatique, alors qu'on avait de gros problèmes pour recruter et qu'on aurait pu se dire un peu malinement, chez les femmes, on a un vivier de recrutement possible et pas exploité. Non, je rencontrais des directeurs d'écoles informatiques qui me disaient « Non, mais elles ne veulent pas. Enfin, en même temps, on ne va pas les forcer. Ouais, ce serait bien si on en avait plus. Hein. Mais bon, ce n'est pas possible. Et puis, vous savez, quand même, les femmes, elles sont quand même plus dans l'émotion, cette logique, et puis ce rapport aux machines. Enfin, bon. Bla bla bla, c'est normal qu'il n'y en a pas parce que les femmes sont des femmes, enfin en substance quoi. Et là, c'est plus le cas. Enfin là, ça a changé, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai passé ma thèse dans une totale indifférence. 10 ans plus tard, la société. On se rend compte des dégâts en fait. En fait, 10 ans plus tard, la situation est installée. On est à 12% d'étudiantes en informatique. Des entreprises qui disent on aimerait bien faire un peu mixité. Et puis là, vraiment, on coince. C'est même pas qu'on n'en embauche pas. C'est que dans le vivier, il n'y a plus de femmes. Et des informaticiens qui se disent, mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui empêche? Et en particulier, c'était amusant, des pères de filles, de jeunes filles qui commençaient à être dans le secondaire et qui disaient, mais pourquoi ma fille, elle ne ferait pas le même métier que moi? Qu'est-ce qui l'empêche? Je vois bien qu'elle est intéressée par les maths. Pourquoi elle ne viendrait pas? Et ça devait être en 2015, donc ma thèse avait 10 ans. Le président de la Société des informaticiens de France organise une journée consacrée à femmes en informatique avec des informaticiennes qui militaient depuis très longtemps pour que ça existe et qui étaient ravies qu'enfin le sujet émerge. Il vient me voir, il me dit « Faut quand même qu'on arrive à comprendre pourquoi, alors que évidemment on voudrait accueillir tout le monde, pourquoi on est tout de même discriminant ?» Ah bah oui, alors là le discours a complètement changé. Là on peut commencer à travailler. À travailler. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que maintenant la discipline veut bien se regarder elle-même et se dire que c'est peut-être pas la faute aux femmes qu'on se pas, c'est peut-être que la discipline leur fait pas de place. Alors on va revenir là-dessus, mais je voudrais passer la parole un petit peu à Katia et à Anka Alexandra. Donc Katia. Est-ce que vous, j'imagine, vous avez aussi connu ces années? Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez en Espagne. Oui, oui. Alors, il y a énormément de points communs avec ce que tu as dit et ton parcours. Puisque moi, effectivement, alors, je n'ai pas une formation technique. J'ai fait une école de commerce. Et moi, je me suis installée en Espagne. Et en fin de compte, je crois beaucoup au destin. Et j'ai envoyé plusieurs CV, comme tout étudiant qui termine qui finit sa thèse et son mémoire, qui dit « bon, bah, maintenant, il va falloir trouver du travail ». Et dans la même semaine, j'ai eu une offre d'embauche pour travailler à L'Oréal, qui était
sur le papier, l'entreprise bah, un petit peu rêvée de par ma formation, et une offre d'embauche à IBM pour des sujets de e-business hosting à l'époque. Alors, donc on parle de 98. Qu'est-ce que c'est ? Donc e-business hosting à l'époque, c'était l'hébergement de pages web, d'intranet, puisque à cette époque-là, les entreprises n'avaient pas étaient restées dans le monde d'avant. Et démarraient, on va dire, leur trace digitale. Et je me suis dit, tiens, Internet, ça a l'air sympa. Chef de produit pour des produits de rouge à lèvres ou vernis à ongles, c'est pas mon truc. Et donc, voilà comment je suis rentrée à IBM, un peu par hasard. Mais alors, donc à IBM, comment ça s'est passé ? Quand ils vous ont vu arriver, est-ce qu'ils vous ont regardé avec des gros yeux ? Alors, je dois dire que j'ai la chance, puisque je suis rentrée en 99, et en fin de compte, c'est la seule entreprise véritablement que j'ai connue, à part quelques stages que j'ai faits, qui a dans son ADN le diversity and inclusion. Ouais. Donc, à aucun moment... C'est pas l'image moment... qu'on en a quand même. Hein. Oui, ouais. Et ben, je suis rentrée dans une entreprise qui, dans la fin des années 90, avait une PDG en Espagne qui était une femme. D'accord. Donc ça, pour commencer, déjà, ça marque un petit peu le terrain, qui avait été ex-assistante du PDG Lou Gerstner, qui est celui qui a sauvé IBM dans les années 93 de sa disparition, puisque IBM a eu, dans ces années de creux, voilà, ces années noires où Microsoft était en train de transformer et d'imposer la micro-informatique, IBM avait un peu raté ce coche-là, mais a su se transformer. Donc, très inspirant parce que IBM a été précurseur sur beaucoup de sujets. On en parlait tout à l'heure au niveau de diversity and inclusion, qui est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais partie de ce programme-là et aussi du programme Woman at IBM dans les années 70 aux États-Unis, a démarré tout ce qui était l'inclusion des gays, des lesbiennes et notamment maintenant fait véritablement un point d'honneur à ce qu'il y ait une véritable diversité et qu'il y ait aussi une balance entre hommes et femmes. Mais donc en 99, quand vous vous êtes présenté pour ce boulot, oui. Vous n'avez pas eu un barrage Au niveau de mon entreprise, mais mon entreprise a été précurseuse dans beaucoup de domaines. En Espagne, on ne télétravaillait pas. Moi, dans les débuts des années 2000, avant la DSL, je télétravaillais. Il y a quelque chose qui est très important, qui est le work-life balance. Ça fait partie de l'ADN d'IBM, c'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi, notamment aux femmes, de pouvoir avoir une vie de famille. À un moment donné de ma carrière, on va dire vers 2003, j'ai eu la possibilité de changer, de partir à Telefónica, qui était le gros fournisseur télécom espagnol, équivalent d'Orange. Et quelque part, ce qui m'a fait rester à IBM, c'est que dans mes plans, j'avais la maternité, qui est un choix et qui est quelque chose de complètement légitime. Qui était plus possible à IBM. Mais bien évidemment. Ouais. Donc, pour la petite anecdote, je suis maman de 3 enfants. Je me suis arrêtée de travailler 4 ans. J'ai fait une pause de 4 ans pour élever mes enfants. Et en 2015, donc de 2011 à 2015, j'ai arrêté. J'étais maman full-time. Et IBM, en 2015, quand j'ai levé la main pour dire « ça y est, c'est bon, mes enfants sont en primaire, la petite enfance est derrière moi », au lieu de me fermer la porte, bien au contraire, m'a ouvert la porte en disant « mais je n'ai pas de formée, je sais que tu connais l'entreprise ». Et non seulement ça, sinon ça permet un accélérateur de carrière. Donc, ces entreprises existent. Et alors, donc, à votre connaissance, est-ce que, ce parcours que vous avez eu à IBM, est-ce que c'est une exception dans le domaine de l'informatique ? Et c'est peut-être une question aussi pour vous, Isabelle. Et après, on passera la parole à Anka. Mais est-ce que c'est une exception ou est-ce que maintenant... il y a des politiques RH d'accueil, d'inclusion vis-à-vis des femmes dans la tech qui sont au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre. Alors, je pense sincèrement que dans la tech, ce que cherchent les ressources humaines, c'est attirer les talents. Et comment on attire les talents ? En ayant des politiques qui, justement, permettent
de faire que l'employé se sente bien. Je sais par des, parce que bon, après le monde de l'informatique c'est un monde tout petit, donc moi j'ai pas mal d'amis qui sont chez Microsoft, des femmes qui me disent qu'elles sont un petit peu dans cette même politique justement d'accompagnement. Je sais que chez Google pareil, il y a quand même... Oui, mais alors IBM, Microsoft, Google, on sait que c'est des entreprises très surveillées, très exposées, et puis aussi des très très grandes entreprises qui peuvent aussi, qui mettent en avant effectivement une politique d'acquisition des talents et qui donc, avec une politique RH, ressources humaines plutôt avancées. Mais dans la tech, y a quand même beaucoup d'entreprises, de secteurs, un petit peu dans la, on va dire, la tech industrieuse, où là, les conditions de travail sont nettement plus délicates et en tout cas nettement moins mixtes. Alors, j'imagine que ça a été étudié, Isabelle. Alors, ça, tout à fait. Alors, je dirais que à l'époque où ça t'est arrivé, ouais, c'était plutôt une exception. IBM faisait partie des sociétés qui avaient une longueur d'avance. Aujourd'hui, sans être dans les méga groupes, Orange est une entreprise qui a fait un virage très très serré et qui maintenant vraiment fait de la promotion des talents féminins, suivent les carrières, font du coaching. Enfin, bon, donc il y a des grandes entreprises de cet ordre-là. Pour les petites boîtes, bah, c'est une toute autre affaire, quoi. Alors, donc moi, je viens de Genève, histoire de vous donner un peu une dimension de l'horreur. En Suisse, deux femmes sur dix, c'est même plus que ça dans mes souvenirs, ça doit être 4 femmes sur 10 sont licenciées pendant ou après leur congé de maternité. Voilà, c'est pas pour rien dans qu'on a fait... Dans le secteur de la tech ou tout secteur confondu ? Tout secteur confondu, ouais. Hein. Donc, c'est pas pour rien qu'on a fait une grève des femmes. Donc, autant, voilà, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. Et quand il y a eu les start-up qui se sont développées, il y a eu tout un discours qui ont dit bon ben les start-up, c'est une chance pour les femmes. Alors, au moment de la bulle Internet et du passage à l'euro des années 2000, mais c'est un serpent de mer qui revient, avec l'idée que voilà, c'est des entreprises qui n'ont pas de tradition machiste, vu que c'est des start-up, c'est tout nouveau, et donc, ben nécessairement, les femmes qui maintenant ont acquis des niveaux de compétences et une volonté de travailler, tout comme les hommes, elles vont faire leur trou. Bon, ben, dans la tech, les femmes qui dirigent des start-up, c'est 7%. Les femmes ont bien moins de chances que les hommes d'obtenir des prêts auprès des banques quand elles veulent démarrer une entreprise. Et dans les petites boîtes, l'aide alors, à l'articulation vie de famille, vie professionnelle, les congés de maternité, la possibilité de remplacement, etc., c'est toujours aussi mal développé, en particulier en France. Ce qui fait que non, c'est évidemment très compliqué. Et ce qui est magique, c'est que quand une jeune femme est enceinte, c'est toujours reçu dans les entreprises, sauf dans les très grosses qui ont des plans là-dessus, comme un truc totalement imprévu. Ça alors, tu as 25 ans, tu es en couple et tu es enceinte. Mais alors, si on avait pu imaginer. Alors que quand même, ça devrait être... bien sûr, quoi. Alors, toutes les femmes ne sont pas enceintes et elles n'ont pas toutes envie, mais on ne peut pas dire que c'est un scoop. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a autant d'arrêts maladie pour accident de ski que pour congé de maternité. Moi, je proposais d'arrêter d'embaucher les skieurs et les entreprises feraient de bénéfices, quoi. Alors, Anke, Alexandra, est-ce que vous pourriez nous parler de votre formation et puis de votre expérience, finalement, de la mixité dans votre jeune carrière ou de carrière débutante, là, j'imagine, d'informaticienne, quand même. C'est informaticienne, data scientist, ça en jette, ça claque, il faudra quand même nous dire ce que c'est, mais on va dire informaticienne. Voilà, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On ne peut pas dire informatique. Non, c'est juste que je suis une pseudo-data scientist, on va dire ça comme ça. Donc dans ma formation, j'ai... Ça claque toujours autant, c'est le problème. Oui, ça rajoute un mot, donc c'est intéressant. Donc dans ma formation, j'ai bien démarré par un métier, on va dire, une formation plus dédiée aux femmes. J'ai démarré par une licence en lettres modernes. Donc, je suis... voilà. Ça, c'est là où je suis déçue. Voilà. D'accord. Exactement. En fait, je suis arrivée en France en 2010. J'étais amoureuse de Balzac et j'aimais beaucoup la littérature et la culture française. Donc, j'avais un bac L à l'étranger. Donc, la seule option, c'était lettres, on va dire. Et à la fin de ma licence en lettres, je me suis rendu compte que je m'intéressais plus au côté scientifique du langage, à la linguistique notamment. Donc je suis allée au secrétariat pour m'inscrire en linguistique.
Et je tombe sur une de mes futures profs qui me dit, tu sais, avec la linguistique, tu vas un peu mourir de faim. Il n'y a que la recherche, il n'y a pas beaucoup de postes. Voilà, je te conseille de réfléchir. Et je lui avais répondu un peu, oui, mais c'est pas comme si je pouvais faire c'est pas comme si je pouvais faire l'informatique avec une licence en lettres. Et elle me dit, bah si, chez nous, tu peux faire. Si ça t'intéresse, on te propose un double cursus en linguistique informatique. Donc, tu vas avoir la moitié de tes cours en linguistique et l'autre moitié en informatique. Ce qui fait que j'ai atterri dans un master sciences du langage, option linguistique informatique. Donc, j'ai pu toucher, on va dire, aux deux côtés de la mixité, autant féminin au côté féminin. C'est-à-dire que vous aviez une formation où il n'y avait que des femmes et une formation où il n'y avait que des femmes. Exactement, c'était exactement ça. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. On était deux filles dans la promo et on avait la moitié de nos cours, donc en UFR linguistique, l'autre moitié en UFR informatique. Et une fois, on était en train de chercher notre amphi, notre salle de cours, et on arrive devant la salle, et on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de filles dans la salle. On se dit, bah non, ça peut pas être d'autres cours, c'est sûr. Donc c'est toujours un milieu assez masculin, effectivement, l'informatique. Oui, bah ça, j'imagine. Et alors du coup, comment vous avez... Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que dans votre formation, parce que dans le livre d'Isabelle Quellet que j'ai complètement oublié de présenter en début d'émission et qui est ici, Les oubliés du numérique, il y a pas mal d'anecdotes sur ce qu'ont vécu les étudiantes en informatique dont vous avez fait partie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû vous adapter? Est-ce que vous avez dû vous transformer en homme? Ou est-ce que vous en êtes sorti avec votre personnalité? Et finalement, est-ce que vous avez pu être valorisée en tant que femme dans ces formations très, très, très genrées? Effectivement, quand on arrivait un petit peu en retard, la remarque c'était « Ah, c'est vous les linguistes ?» Donc on avait tout de suite une étiquette qui arrivait comme ça. Bon, c'est vous les linguistes, ça va. j'ai cru que vous alliez me dire c'est... Non, mais on était à peu près les seules filles dans l'amphi, donc ça, c'était assez évident. Je ne considère pas que j'ai dû me transformer en homme. Effectivement, c'est... on va dire un autre monde, il faut changer un peu la vision qu'on a sur les choses, la manière dont on travaille sur les projets, la manière dont on collabore, on va dire. Mais après, il faut aussi être curieux et apprendre à découvrir. Effectivement, il y a un effort qui est attendu de l'autre côté aussi. J'ai eu la chance d'avoir une formation où ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait ma formation dans une université pluridisciplinaire. Donc on va dire qu'ils étaient déjà un peu... habitué à ce genre de diversité de genre, oui. Quoi. D'accord, ok. Isabelle, le fait que, y compris à l'heure actuelle, donc il y ait toujours autant d'hommes dans ces formations qui mènent au numérique, et on connaît bien l'importance qu'a le numérique sur toutes nos vies, qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique et anticipable? Alors, en fait, les conséquences sont multiples. Déjà, excusez-moi. Déjà, mine de rien, c'est des métiers où il y a de l'embauche, où il y a des carrières, où il y a des salaires très corrects. Le fait que ces salaires, cette embauche et ces carrières se partagent entre hommes, en termes de justice sociale, ça peut poser deux, trois questions. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on appelle la high technology, c'est-à-dire la technologie faite pour moi. Personne n'est capable de représenter toutes les sensibilités, toutes les tendances et tous les besoins de toute la technologie. Si la technologie est définie, conçue, paramétrée, développée par un groupe d'hommes blancs, hétérosexuels, de milieux socioprofessionnels privilégiés, alors ils vont faire des trucs très très bien. Ils vont même être tout à fait capables d'essayer d'imaginer ce que d'autres pourraient avoir envie, mais de toute façon, il y a des choses qui leur échappent. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure, les applications de santé sont apparues sur tous les téléphones portables très tôt et elles ne monitoraient pas les règles. Ça arrive à plein de gens, les règles. Hein. Enfin, plutôt des femmes, hein, ça, c'est vrai. Et plutôt pas les gens, voilà, pas les gens qui les programment. Ça ne leur venait pas spontanément à l'esprit et on peut comprendre pourquoi. C'est-à-dire, entre le fait qu'ils n'y pensaient pas parce que ça ne leur arrivait pas, qu'ils trouvent ça souvent un peu répugnant, c'est quand même un peu le dernier tabou qui existe. Personne n'avait envie de penser à ça. Et pourtant, ça sert à plein de gens. Alors ça, c'est qu'un exemple, mais
Vous parlez à votre GPS quand vous êtes une femme, vous avez plus de mal à vous faire comprendre que quand vous êtes un homme, y compris quand vous êtes à la place chauffeur et pas à la place passager. Vous parlez à Siri, vous parlez à Alexia et à OK Google. Alors il apprend, hein, votre voix de femme va être apprise, c'est pas mort, c'est pas... Mais quand même, spontanément, toutes ces bases se sont faites entraîner avec des voix d'hommes. Ouais, et ouais. Les Asiatiques et les personnes noires pourront en dire autant sur la reconnaissance faciale, évidemment. Ouais. Ouais, donc ça a des conséquences, c'est-à-dire que du coup, il y a un retard qui s'imprime finalement dans toutes les applications. Et même un retard, il y a un manque de données, par exemple, sur les femmes. On a beaucoup plus de données, de toutes sortes, sur les hommes que sur les femmes. Là, tout récemment, l'exemple est suisse, mais c'est assez exemplaire, on a reçu un rapport sur la mobilité des jeunes Suisses. 40 000 hommes... 2000 femmes. Parce que c'est à partir des chiffres de l'armée. Alors non, ce n'est pas un rapport sur la mobilité des jeunes Suisses, c'est un rapport sur la mobilité des jeunes hommes Suisses avec une poignée de femmes, histoire de dire qu'on a constaté qu'il y avait des femmes qui étaient jeunes aussi, quoi. Mais cet écart-là, alors là, il est criant, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites où on va chercher plutôt des hommes. Les questions qui sont posées sont plutôt sur des sujets qui intéressent les hommes. J'ai fait des enquêtes sur femmes et numérique, femmes et informatique, et on m'a dit non, mais on n'a pas pris en compte les femmes parce que statistiquement, elles n'étaient pas significatives. Ah bah ouais, mais en soi, c'est un résultat significatif, que statistiquement, elle ne le soit pas, quoi. Et donc, en fait, il y a une carence de données, de toutes sortes, hein, sur les femmes. Soit on ne leur a pas posé les questions, soit on leur a posé des questions qui ne les intéressaient pas. Et ça aussi, c'est un trou dans les données sur lesquelles on entraîne nos moteurs de recherche, notre informatique, etc. J'avais juste, comme Isabelle avait donné un exemple suisse, il y avait aussi récemment un exemple de Amazon qui avait sorti une sorte d'algorithme pour aider le recrutement, justement, et qui était censé aider dans le tri de CV. Et assez rapidement, ils se sont rendus compte que ça zappait tous les CV qui avaient des formations qui portaient le nom femme, enfin woman en anglais, ou bien qui avaient des métiers qui étaient purement féminins. Et on a dit assez rapidement, c'est la faute à l'algorithme, mais en fait, non, c'est la faute au manque de données, au fait qu'il n'y avait absolument pas de CV qui était entraîné avec ces données-là. Et je dirais que c'est même pire que ça. L'algorithme, il a très bien fait son boulot. Il a regardé la politique de promotion chez Google, chez Amazon. Il a vu que chez Amazon, pour être embauché, pour faire carrière et pour bien gagner, valait mieux être un homme. Et en conséquence, il a recruté les... En fait, cet algorithme, il est révélateur de la politique interne, sexiste, d'Amazon. Donc on peut accuser ni l'algorithme, ni l'intelligence artificielle. On peut juste accuser le fait que ça a révélé un sexisme interne à la société qui voulait recruter. Ouais, ils ne l'ont pas interprété comme ça. Hein. Ils n'ont pas interprété comme ça, mais ils n'ont pas lâché l'algorithme quand même. Quand on parle d'IA, il y a énormément de mythes et de choses, mais n'oublions pas que, et c'est le sujet du livre d'un de nos collègues qui vient de sortir, l'IA sera ce qu'on en fera, Jean-Philippe Desbiol, qui est vice-président à IBM et qui est un des précurseurs de Watson, qui est la branche d'intelligence. Alors, pour la petite histoire, à IBM, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence augmentée, puisqu'en fin de compte, c'est des solutions pour aider l'homme à pouvoir, dans plein de domaines, optimiser et peut-être laisser de côté des tâches récurrentes, répétitives, à basse valeur ajoutée, et pouvoir se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Mais n'oublions pas que derrière l'IA, enfin, ce n'est pas un mythe, ce sont des gens qui programment, qui pensent les projets, et effectivement, Isabelle, tu ne peux pas avoir plus raison. Qui font ces programmes, ben, en règle générale, ce ne sont pas les gens de la minorité et ce ne sont pas les femmes. Donc, les applis qu'on trouve aujourd'hui ne sont ni plus ni moins que le fruit de patrons, de patterns qui, quelque part, il faut changer. Mais alors, Katia, vous, vous avez des équipes qui les programment, ces fameuses IA, vous les appelez comme vous voulez, mais comment vous faites justement pour corriger ces biais sexistes qui existent dans les équipes, j'imagine, que vous avez ? Est-ce que d'abord vous les constatez et puis est-ce que vous les sensibilisez ? Comment ça se passe ? Alors là, je pense que c'est Anka qui techniquement peut répondre comment entraîner
Pas de pression, en cas. Pas de pression. Effectivement, on est plusieurs équipes qui travaillent sur la préparation de données, justement. Et c'est là où, effectivement, il faut être attentif sur les données qu'on donne à la machine pour qu'elle s'entraîne et pour qu'elle apprenne et pour qu'elle construise un modèle. Effectivement, chez IBM, on essaie d'avoir une sorte de mix homme-femme. Ça n'empêche pas que, d'un point de vue, on va dire, tech, enfin, côté technique, il y a plutôt de garçons. On est quelques filles qui travaillent dans les équipes techniques, donc ça permet en fait d'avoir un avis et de pouvoir donner son avis, de pouvoir aider à combattre ce sort de biais. Pour la petite anecdote, y a, en fin de compte, Watson, on a appris à Watson à parler en français, puisqu'à la base, alors Watson, il faut rappeler un petit peu ce que c'est l'IA du Crédit Mutuel, hein, c'est ça? Oui, c'est, ouais. Entre autres, ouais. Mais Watson, c'est le produit d'IBM pour l'IA au niveau mondial. Et donc on a qui est utilisé donc par le Crédit Mutuel, notamment pour répondre aux emails des email clients. Analyzer, il y en a peut-être dans la salle. Oui. Donc si jamais vous avez un problème avec Watson. et donc tout ça pour vous dire que quand on a entraîné Watson à parler en français, concrètement, on a pris un échantillon de personnes, et moi je me souviens il y a 2 étés où j'avais 40 lignes à lire sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le bancaire et qui étaient ni plus ni moins que l'apprentissage du français. Et donc avec ce qu'ils cherchaient, c'était différentes intonations, homme, femme, accent de Marseille, accent de Toulouse, pour que justement toutes ces petites subtilités soit comprise et assimilée et adoptée par Watson. Vous êtes en train de me dire que si j'appelle une IA bancaire, il peut me répondre avec l'accent de Marseille? À peu près, oui. Ouais. On vit un monde formidable. Mais on va laisser ça quand même plus tard. Ça va juste. Ça dépend ce que vous allez le demander. En voilà. Fait. Mais alors, en cas, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans votre travail de définition, de préparation des données, donc qui est un travail fondamental aujourd'hui, puisque justement, ça conditionne en fait la réponse des algorithmes à tout un tas de questions qu'on leur pose, est-ce que cette vigilance sur la mixité ou sur contre les biais sexistes, est-ce que vous avez des exemples où vous avez dû l'exercer de manière un petit peu autoritaire pour dire maintenant, là, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas laisser dire ça, enfin, le programme ne peut pas sortir ça, on ne peut pas avoir des données à ce point genrées, ce genre de choses. Y a l'exemple de Katia, donc pour toute la partie vocale, donc on a besoin d'avoir des voix féminines, sachant que déjà de base l'algorithme il va avoir une appétence, on va dire, pour la voix masculine qui est plus basse, donc tous les algorithmes de transcription ils ont plus de facilité avec une voix masculine, donc on a besoin d'encore plus de données avec une voix féminine pour l'entraîner, pour arriver à rattraper ce genre de biais. Donc il y a la partie assistant vocal. Je pense que c'est le seul domaine dans lequel Watson il pourrait être sexiste. Sinon, la plupart des applications elles sont textuelles, donc il y a moins de, à part faire une faute dans la réponse d'accord au féminin, il y a moins des chances qu'il soit sexiste. Mais par exemple, dans ce qu'on sait sur les IA, par exemple, qui sont utilisées dans le domaine bancaire pour aider à la décision sur les prêts bancaires, par exemple, on sait que les femmes sont discriminées. Alors, elles l'étaient avant les IA, puisque effectivement, les gens qui décidaient d'un octroi de prêts bancaires étaient moins enclins à le faire vis-à-vis des femmes. Ça s'est évidemment traduit dans les données. Et comment est-ce qu'on corrige ça? Comment est-ce qu'on corrige ce biais sexiste pour qu'on arrive à ôter finalement la discrimination de genre? Katia a parlé tout à l'heure de l'intelligence augmentée. En fait, ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter les données. Et donc, augmenter les données, on va dire, qui parlent de femmes, qui donnent. Enfin, on crée des données artificielles afin de rattraper les biais. Effectivement, il y a une partie, on va dire, de la faute qui vient du type de données qu'on a à notre disposition. La plupart des données, elles vont introduire un biais. Qui existe dans la réalité. C'est-à-dire que si la réalité est sexiste, les données seront sexistes. Elles vont le refléter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rattraper le biais en augmentant les données.
Ok, mais je ne vais pas vous lâcher là-dessus parce que c'est, j'ai encore d'autres questions. Allez-y, Isabelle. Mais on peut aussi envisager l'IA comme un augmenteur d'égalité. C'est-à-dire, si vous voulez recruter quelqu'un à un poste de top management, vous dites à votre IA, sortez-moi les 5 meilleurs CV d'hommes et les 5 meilleurs CV de femmes, et ça, c'est ma shortlist. Ouais. Ça marche. Alors après, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, bon, c'est une discrimination positive, et peut-être on aura des femmes qui auront moins de mérite. Oh, ok, on peut discuter, ça, c'est de la politique, c'est plus de l'IA. Mais si on veut avoir des résultats... L'IA, elle fait ce qu'on va lui demander de faire. C'est-à-dire, si on prend acte que les données sont sexistes, que nos représentations nous biaisent involontairement, qu'on a des stéréotypes et qu'on n'en a même pas compte, on peut demander à l'IA de nous aider à outrepasser ces biais inconscients qui sont en nous sortant les 5 meilleurs CV de femmes, les 5 meilleurs CV d'hommes, et on a une shortlist de 10. Donc elle peut nous aider, si on le souhaite, mais comme on dit, augmenter, c'est ça, elle augmente notre capacité à faire de l'égalité. Si on la laisse faire toute seule en se disant « c'est pas nous, c'est l'IA », tout ça c'est du mauvais prétexte, évidemment. Alors ça peut marcher si effectivement on doit faire une sélection, mais dans un logiciel d'aide à la décision ou dans une application de définition des besoins, par exemple, ça peut pas marcher. On peut pas faire des listes. On va avoir besoin d'une réponse. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on corrige les données et surtout jusqu'où on va artificiellement corriger les biais sexistes, parce que en fait c'est des questions essentielles qui sont extrêmement délicates. Comment ça se passe dans les je sais pas, vous réunissez pour Isabelle disait au tout début que la on va dire le nombre, les stats sur les femmes, elles avaient pas de signification, elles étaient pas importantes. Donc ça, c'est, on va dire, un autre domaine de l'IA, c'est la détection des signaux faibles. Donc on peut se poser effectivement autour de la table et de se dire, on s'intéresse à tout ce qui est détection de signaux faibles. Donc justement, les parties qui ont l'air de ne pas être importantes ou qui sont des outliers, on appelle ça des outliers dans le domaine de l'informatique. Ouais, ça veut dire quoi ? Pas significative. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous les rendez significatives. On s'intéresse à ces données-là et on essaye de les rendre significatives, effectivement. Isabelle, est-ce... Allez-y, Katia. En gros, l'exercice, c'est de décider si ces données vont être justement prises en compte, augmentées et pour rééquilibrer. Parce que comme... Je pense que ce qui est important, c'est que derrière l'IA, en fin de compte, on en fera ce qu'on en voudra. Et donc, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens, justement, pour, sachant que, concrètement, on parle de recrutement, je pense que c'est un très bon exemple, qu'on a des sujets par rapport à notamment dans les métiers d'informatique où la femme est très peu présente, on a les moyens de pouvoir rééquilibrer ça. Moi, concrètement, qui suis responsable en charge du recrutement, j'ai un souci énorme, c'est que en tant que femme et faisant partie de Women at IBM et Diversity and Inclusion, je veux des développeuses. Parce que je crois beaucoup justement dans le fait que la richesse d'une équipe vient aussi de la diversité. Mais je n'en trouve pas. Et donc je suis j'ai la pression des projets qui doivent avancer. Moi, une volonté, bien évidemment, en tant que femme, de pouvoir justement essayer de contrebalancer cette minorité, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de ressources. Donc, et justement, on se posait la question, notamment avec ma collègue Muriel, de se dire, est-ce qu'on n'arrive pas un travail à faire en amont, au collège, au lycée, pour justement, entre guillemets, prêcher la bonne parole, pour que très tôt, en fin de compte, les femmes ne s'auto-excluent pas de carrière dans la technologie. Isabelle, j'imagine que vous voulez rebondir là-dessus. Moi, chaque fois qu'on me dit auto-exclusion, je démarre. Ou alors, vous pouvez me dire aussi auto-censure, ça me fait démarrer tout pareil. Alors, c'est-à-dire, en fait, cette auto-exclusion, cette auto-censure, on la constate in fine. C'est-à-dire, je vous fais très, très vite l'histoire genrée de l'éducation, la socialisation différenciée de l'éducation. Dès la naissance, on socialise garçons et filles différemment. Les jouets sont extrêmement sexués, les habits, les objets, etc. Les rôles sociaux qu'on va destiner aux garçons et aux filles sont très différents. Vous voyez la différence entre un Lego technique et un Lego Friends, vous comprenez tout de suite qu'on ne va pas apprendre les mêmes compétences.
Ensuite, arrivée à l'école, très vite, les filles apprennent que les garçons sont supposés être meilleurs ou plus intelligents. Alors, jusqu'à 6 ans, ça va à peu près. Et puis, assez rapidement, les filles savent, il y avait une pub très très bien qu'avait fait la marque Always là-dessus, où on demandait aux gens de faire comme une fille. Bats-toi comme une fille, lance comme une fille, cours comme une fille. Ah ouais, à chaque fois, c'était ridicule. Donc, on apprend tout de suite que comme une fille, c'est moins bien. Moi, une fois, à la fin d'une de mes conférences sur femmes et sciences, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit « Ah, votre conférence, elle était formidable. Écoutez, vous êtes une bonne oratrice, vous parlez vraiment comme un homme. » Fallait l'oser, celle-là. Alors, je me suis dit que ma conférence n'a pas été... Enfin, il n'a pas tout compris quand même. Je n'ai pas été si claire que ça. Mais il m'aurait dit « Vous parlez comme une femme. » Ça aurait été quand même compliqué. Je savais, ça, c'était pas un compliment. Il voulait me faire un compliment, il était coincé en quelque sorte. Donc très vite, les filles apprennent que comme une fille, c'est moins bien. Ensuite, arrivée au collège, au lycée, outre tous ces signaux, elles commencent à vivre le harcèlement sexiste et sexuel aussi, une pression des pairs. Moi, j'ai interviewé des jeunes informaticiennes de licence qui expliquaient que quand elles avaient dit qu'elles allaient faire informatique, alors elles avaient deux réactions. Soit elles ressemblaient à des geeks, on leur dit « Ah bah ouais, on pouvait s'en douter, enfin en même temps, vu ton thèse, voilà. » Ou elles ne ressemblaient pas à des geeks, on dit « Ah bah non, pourquoi ? Mais t'es pas une geek, enfin, tu joues même pas aux jeux vidéo, mais tu peux pas. Bon. » Donc il y a une pression des pairs à l'adolescence et puis dans les études, études supérieures. Et puis après, bah oui, on mesure et on constate moins de bourses, moins de subsides, moins de soutien, des CDD plus longtemps, des CDI plus tard, etc. Quand on empile tout ça, bah, ce n'est pas de l'autosélection. Quand on empile tout ça, effectivement, les femmes, elles ont un doute. C'est-à-dire, au bout d'un moment, elles se demandent, d'une part, si elles seront vraiment compétentes, vu que tout le monde a l'air en douter, et si d'autre part, à force, peut-être que toutes leurs compétences seraient plus facilement employées ailleurs, ce serait sympa aussi, plutôt qu'à aller se battre à un endroit où on ne veut pas d'elles. Donc c'est une censure sociale. Alors, qui se traduit individuellement par moment par des stratégies d'auto-exclusion ou de manque de confiance en soi, sauf que ça ne vient pas des femmes, hein, on est d'accord. Ça vient d'une censure sociale longue qui fait qu'au bout du compte, effectivement, les femmes peuvent être dans des stratégies d'évitement. Soit dit entre nous, les hommes ont la même stratégie d'évitement pour les études littéraires ou pour les études du soin aux autres et du soin aux personnes, parce qu'un gamin qui dit « je veux être assistant social », au secondaire, il se fait traiter de PD. Donc, il fait un tout petit peu attention quand il annonce ce genre de... d'intention. Voilà, ouais. Les garçons aussi évitent, évidemment. Quand on essaie de renforcer... Alors, bien sûr que c'est intéressant et important de renforcer les femmes et les filles en leur disant « n'hésite pas, allez-y », ce sont des aides individuelles. C'est-à-dire, si on arrêtait cette censure sociale, on n'aurait plus besoin de dire aux femmes « allez-y, vous êtes capables », parce qu'au fond, elles savent qu'elles sont capables. Mais allez-y, Katia. À Isabelle, ah oui. Comment tu expliques que dans les années 80, il y avait un pourcentage plus élevé que maintenant ? Avec l'évolution de la société, on tendrait à croire que c'est l'inverse. Or, Alors, on a beaucoup cru que il y avait un progrès vers l'égalité qui était, entre guillemets, naturel et que les femmes allaient entrer dans tous les métiers. Alors, dans les années 80, c'est l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. Toutes les professions en bénéficient, dont les sciences et techniques, dont l'informatique. Le truc, en plus, avec l'informatique, c'est que personne ne sait ce que c'est. Ça ne vaut pas grand-chose. Surtout le code. Encore la machine, mais surtout le code. Quand on est une femme qui fait du calcul numérique, ce qui n'est pas très prestigieux comme terme, calcul numérique... c'est pas des maths pures, c'est pas de la physique pure, c'est pas de la physique nucléaire, c'est filière qui avait le vent en poupe. Pour une femme scientifique, le calcul numérique, ça amène à travailler dans les administrations, dans le tertiaire de manière générale. C'est moins contre-stéréotypé que l'industrie, le casque, les bottes, le chantier. C'est un bon métier pour les femmes. Ça, c'est les années 80. Et puis d'ailleurs, ce qui est très rigolo, je l'ai découvert récemment, au moment où j'ai écrit mon bouquin, hardware, software, hard, soft, c'est genré. Parce que dans le hard, il y avait les mecs, et dans le soft, il y avait les filles. Aujourd'hui, on a complètement oublié ça, parce que dans le soft, il n'y a que des mecs. Mais ce distinguo qu'on retrouve dans Sciences dures, Sciences molles, par exemple, qui est un distinguo extrêmement genré, était genré dans le langage hardware, software. Bon, dans les années 80-90,
l'informatique prend de la valeur. Alors, on a même des discours complètement incantatoires, limite fantasmatiques sur l'informatique, c'est l'avenir, c'est l'emploi assuré, la France doit rentrer de plein pied dans le 21e siècle. À l'époque, moi, j'ai fait une colonie de vacances informatiques où j'ai appris à programmer. Il y avait des mecs avec moi, mais on faisait ce genre de choses. C'était l'emploi, le meilleur emploi pour le chef de famille, quoi. Donc, l'informatique a pris énormément de valeur. Et quand un métier se valorise, ben, il se masculinise. Voilà. Et on a vu ça particulièrement dès qu'il y a eu les premières crises informatiques. C'est les femmes qui ont été le plus touchées par les licenciements. Ça s'est un peu vu en France, ça s'est énormément vu en Grande-Bretagne, par exemple. Olga, vous voulez réagir à ce qui a été dit ? Non, je suis plutôt d'accord. Vous avez avoué à votre famille que vous travailliez chez IBM, ils vous croyaient dans les lettres et voilà, ça s'est bien passé. C'est un peu compliqué. Et si je veux finir mon association de malfaiteurs, c'est-à-dire non seulement le métier a pris du prestige, et là, IBM s'en est bien rendu compte, le micro-ordinateur est arrivé. Chaque fois qu'il y a un nouvel objet technologique qui arrive, c'est les garçons qui sont équipés les premiers. Ça s'est vu pour la télé dans la chambre, ça s'est vu pour le Walkman. Enfin, donc, le micro-ordinateur arrive. Alors, tous les garçons ne sont pas équipés. Ça coûte cher, hein, évidemment. Il y a des garçons qui m'ont raconté, ils ont collecté les pièces jaunes, ils ont supplié la grand-mère. Enfin, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour s'acheter... un Orit Atmos, un ZX Sinclair, un Apple II pour les plus riches, etc. Ça ne faisait pas grand-chose quand même, ces machines à l'époque. Ça faisait rêver. Mais c'était plutôt des garçons qui les ont eus. Et en même temps, le micro-ordinateur arrive en entreprise. Donc, il se crée une continuité entre ces jeunes garçons ados investis dans le rapport à la machine et des ordinateurs qui, en gros, ressemblent et qui arrivent en entreprise. Alors, évidemment, hein, on ne fait pas du tout la même chose avec un Orit Atmos quand on a 15 ans, qu'avec un micro-ordinateur d'entreprise. Mais il se crée une continuité symbolique. Ces jeunes-là vont devenir les informaticiens de demain. Est-ce que j'ai envie de travailler avec ces gens-là ? Est-ce que je peux me représenter dans ces gens-là ? Pas tellement. Donc, entre le fait que le métier prend de la valeur... Hein, comment ? En tant que femme. En tant que femme. Entre le fait que le métier prend de la valeur, d'une part, qu'il y a une nouvelle représentation, en gros, du geek qui s'installe et qu'à la fois... parents, enseignants, conseillers et conseillères d'orientation, bénéficiaires de cette représentation, vous télescopez les deux ensemble. On a une entrée massive des garçons dans les études d'informatique et un nombre de femmes qui stagnent. Sauf que quand vous avez une entrée massive des garçons, il y a un nombre de femmes qui stagnent. Évidemment, en pourcentage, le nombre de femmes s'écroule. Mais alors, comment on va faire ? Parce que on va pas laisser le numérique aux mains des geeks. J'en connais quelques-uns, je les aime beaucoup. Ce serait quand même bien derrière la machine et à la programmation de tout cet univers qui a pris tant de place dans notre vie, y ait plus de mixité. Donc, d'après ce que j'entends, c'est pas prêt d'arriver, en fait. Alors déjà, l'informatique, en fait, n'est pas aux mains des geeks, parce que, alors, ils sont utilisés comme bouc émissaire. On dit, oh là là, il n'y a pas de filles en informatique parce qu'elles ne veulent pas être avec les geeks. Les geeks représentent l'informatique. Bon, vous regardez en entreprise, par exemple, vous allez chez IBM, vous voyez des gens... ils ont des costumes et des cravates, ou des chemises ouvertes, parce que maintenant c'est plus moderne, ou des tailleurs, ou ça ne ressemble pas du tout à des geeks. Enfin, vous rentrez chez IBM, vous allez dire qu'il n'y a pas d'informaticien chez IBM. Ah c'est-à-dire ouais que les geeks... voilà. Les geeks sont en fait minoritaires et rarement au top management. Voilà. C'est-à-dire ouais, les geeks font de très bons boucs émissaires pour dire « c'est pas nous, institutions, les responsables, c'est la faute à eux, là, les geeks ». L'institution, l'entreprise, l'école doit prendre ses responsabilités plutôt que d'aller essayer de pointer les coupables comme les femmes ne veulent pas, les geeks empêchent, etc., etc. Alors après, oui, je suis d'accord, on ne va pas laisser l'informatique aux mains d'un groupe homogène qui sont pour le coup, comme je disais, des hommes de milieux socio-professionnels favorisés. Je me souviens d'une informaticienne qui me disait, mais elle avait découvert les geeks en école, elle me disait, en fait, ils sont très gentils. Et c'est pas eux les plus sexistes. Et non, absolument. Ils sont ni particulièrement sexistes, ni particulièrement méchants. Par contre, ils sont souvent présentés comme étant la cause et le début de tout. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi l'image du geek très enfermé devant son ordi, qui est pas du tout sociable. Donc, c'est effectivement, ça attire pas, on va dire, les gens d'extérieur de venir essayer d'aller vers ce monde de geek. Et donc, c'est pas vrai. En fait,
c'est pas tout à fait vrai. Ouais, d'accord, ok. je vais passer la parole à la salle, puisque je vous rappelle le principe de, ce cycle, c'est que vous puissiez interroger directement nos experts. Et donc, je vous invite à tout simplement lever la main et on viendra vous voir. Oula, alors ça part très fort ici. Hop. Bonsoir, merci pour vos interventions très enrichissantes. Je me force à prendre la parole tout de suite au début des questions parce que pour éviter de me censurer après par la suite, ce qui arrive. Et en fait, au final, on se retrouve toujours dans les conférences avec une majorité de questions masculines. Et donc, je m'oblige toujours à en poser une. Des fois, on n'a pas trop d'idées, donc on fait ce qu'on peut. En fait, j'ai un peu plein de questions. Enfin, je vais toutes les poser d'un coup. Alors, est-ce qu'il y a des femmes ou éventuellement des hommes un peu progressistes qui auraient joué un rôle important pour vous projeter un petit peu là où vous êtes aujourd'hui? Ça, c'est un peu ma première question. Est-ce que je pose les autres ou non? Bah, si tu veux, je réponds parce que là, tu es en plein dans le sujet. C'est-à-dire que ce qui m'a permis de grandir dans ma carrière, c'est véritablement les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont inspirée. Et là, pour le coup, ça a été tant des hommes que des femmes qui, quand j'étais junior et je démarrais dans ma carrière et en gros, je ne savais rien, m'ont donné énormément de sécurité, de self-confidence, de confiance en moi. Et en fin de compte, ces gens m'ont inspirée et ont fait que je veuille me dépasser. Et maintenant que je suis dans le management, j'essaye dans la mesure du possible... faire ni plus ni moins que ce qu'on m'a fait quand moi j'étais junior. Il y a des gens dans la salle, notamment une collègue qui travaille avec moi à Madrid. J'ai eu une femme qui maintenant est vice présidente, Fatima, qui m'a quelque part beaucoup appris, énormément appris. Je ne vais pas dire tout appris, mais dans le traitement à la personne, justement dans le fait d'avoir de l'empathie, que quand tu as une femme qui vient te voir, parce que je le dis bien évidemment avant que moi-même ait été maman, que bien évidemment les enfants ils tombent malades. Oui, ils tombent malades. Donc ne pas avoir d'empathie envers une femme qui vient te voir parce que son petit garçon de 4 ans a une otite et qu'il faut absolument qu'elle aille voir le médecin parce que c'est vendredi et que s'il n'y a pas le traitement d'antibio, ça va être horrible. Si on oublie ça, même si on a une pression de projet, on devient des machines. Et justement, je pense que le côté humain est très important. Et j'ai été inspirée par des gens qui avaient une qualité humaine, qualité technologique, bien évidemment, mais surtout qualité humaine. Donc, ta réponse est oui, grand oui. Alors, merci pour cette question. La question de la représentation, elle est fondamentale et ça n'a pas échappé évidemment à Isabelle Collet, qui dans son dernier ouvrage, donc Les oubliés du numérique, commence par là. Hein. Vous donnez des exemples d'informaticiennes qui ont, pour le coup, vraiment façonné le monde de l'informatique moderne. Et en particulier, pour le coup, le monde du code. Ouais. C'est comme on disait, comme le code ne valait rien. Voilà, et qu'on ne connaît pas. Quoi. Voilà, ouais. Ça faisait une place pour des femmes mathématiciennes. Alors, celle qui est maintenant la plus connue, mais quand j'ai fait ma thèse il y a 15 ans, j'avais l'impression de redécouvrir la roue. Quoi. Donc, celle qui est maintenant connue, c'est Ada Lovelace. Premier programme informatique qui a été écrit sur une machine mécanique, c'est une femme. C'est la fille de Lord Byron, c'est Ada Lovelace. D'ailleurs, il y a un autre livre qui vient de sortir spécifiquement sur elle par Catherine Dufour, sur Ada Lovelace. Et alors, on parle beaucoup d'elle, c'est cool, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler beaucoup d'elle, mais il y a un travers courant dans les sciences, c'est qu'on en trouve une qui est exceptionnelle et on ne parle plus que d'elle. Et donc, vous voyez, physique, Marie Curie, et après on tire l'échelle, c'est comme s'il y avait une seule physicienne, ça devient l'exception qui confirme la règle. C'est OK, il peut y avoir des femmes en informatique, enfin, si elles sont complètement et absolument exceptionnelles. Et puis on s'aperçoit, effectivement, en fouillant, qu'il n'y en a pas qu'une, quoi. Et en particulier à l'époque où on programmait, où il n'y avait pas encore de langage de programmation, et où il fallait faire tout à la main,
sur l'ENIAC. Il y avait 6 programmeuses qui programmaient l'ENIAC. Et un peu plus tard, même si on ne remonte pas aussi loin... L'ENIAC, il faut quand même dire ce que c'est. L'ENIAC, pardon. C'est un des tout premiers ordinateurs numériques qui a servi au moment de la Deuxième Guerre mondiale à faire des calculs balistiques en particulier. Et puis par la suite, beaucoup de mathématiciennes autodidactes en informatique ont eu des postes de programmation. Alors la nouvelle célèbre redécouverte, c'est Margaret Hamilton qu'on a redécouvert parce qu'il y a eu l'alunissage, il y a eu l'anniversaire de l'alunissage et elle a programmé, c'est elle qui a fait le logiciel, l'algorithme pour poser et pour sauver la mission d'Apollo 11 sur la Lune. Voilà. Programmée sur les machines. Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que ce qu'elle a inventé, c'est les logiciels ultra fiables. C'est-à-dire, elle a mis en place un certain nombre de garde-fous dans son algorithme pour faire en sorte que, si jamais il y avait une erreur humaine, le logiciel allait quand même garder un certain sens des priorités, et la priorité, en l'occurrence, était se poser sur la Lune. Et l'équipe à la NASA lui disait, non, mais ces hommes sont tellement entraînés, l'erreur humaine, ça n'arrivera pas. Et si, l'erreur humaine, elle s'est produite, et le logiciel de Margaret Hamilton a quand même posé les hommes sur la Lune. C'est la première personne à porter le titre, enfin à revendiquer le titre de software engineering, alors qu'avant, la programmation, ce n'était pas considéré comme l'ingénierie, ni même vraiment comme de la science. Ça ne s'apprenait pas dans les universités. Et puis ça s'est appris dans les universités, c'est les hommes qui étaient dans les universités de sciences, les hommes ont eu le titre de software engineer et se sont mis à remplacer les femmes. Camille, tu avais une autre question ? Oui, en fait, c'était par rapport... Oui, après, je vais passer le micro quand même. En fait, les sociologues montrent que dans les formations ou dans les sports, peu importe, qui sont essentiellement féminins, quand il y a un homme ou deux, en général, ils deviennent assez rapidement des mascottes. Ils sont vraiment appréciés. À l'inverse, quand on a une ou deux femmes dans des formations ou dans des sports très masculins ou quoi, ça ne se passe pas tout à fait pareil en général. Elles sont plutôt dépréciées ou moquées, etc. Enfin, plein. Et bon, c'est vrai qu'on ne vous en avait pas trop parlé. Voilà, comment ça s'est passé pour vous hein, de vivre entouré d'hommes dans ces formations. Et puis, est-ce que vous disiez que vous êtes sortie quatrième, Isabelle Collet, de votre... hyper douée, vous avez le droit de le dire. Ou est-ce que vous étiez un peu en mode, je ne suis pas un quota, je vais leur montrer que je ne suis pas un quota, quoi. J'étais totalement inconsciente. Et j'étais sexiste. Voilà, je vous fais mon coming out. Voilà. C'est-à-dire que, pour moi, à l'époque... Bon, pardonne, hein, j'avais 20-22 ans. Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient leur place en informatique, mes potes geeks et moi, parce que je n'étais pas une vraie fille, et j'en étais très fière. Parce que pour moi, une vraie fille, c'était une pile de stéréotypes de filles, et quand mes copains me disaient « t'es pas une vraie fille », ils voulaient me faire un compliment, je le prenais comme tel. Et je participais, avec mes potes, à discriminer les filles qui ressemblaient à des filles, et que j'estimais pas à leur place en informatique. Tout ça en totale inconscience, évidemment, et tout en entretenant en parallèle le sentiment que, finalement, j'étais pas si bonne que ça, et que mon classement n'avait pas réellement de sens. Certes, j'étais quatrième, mais au fond, je savais bien que j'étais pas si compétente que ça, et que j'avais pas l'intention de travailler, d'y passer tout mon temps pour m'améliorer, et que peut-être ce serait mieux que je fasse autre chose. Donc, inconsciente et un peu schizophrène, hein, simultanément. Et en fait... Mais je savais bien qu'il y avait un truc qui m'embêtait. Mais il a fallu que je croise les études genre pour me dire, ah mais bon sang, mais ça y est, c'est bien sûr, j'ai compris. Alors en fait, effectivement, les filles qui sont rares dans les endroits où il y a énormément de garçons, il se passe un phénomène très particulier et très piégeux pour les filles. Au début, c'est compliqué. Et une fois qu'elles ont prouvé qu'elles sont à leur place, eh bien, leur place devient relativement indiscutable et elles deviennent exceptionnelles parce que des exceptions. C'est super agréable d'être exceptionnel parce qu'une exception. Et on peut s'y installer avec beaucoup de confort et participer. Alors, je dis j'étais sexiste, je vous rassure, il y en avait des pires que moi. Mais je n'ai pas aidé, j'avais aucune idée de solidarité à l'époque, parce qu'évidemment, ça ne m'arrangeait pas. C'était beaucoup plus confortable pour moi, vu l'ambiance, d'être exceptionnel. Et ça, c'est compliqué, parce que des fois, on dit que les femmes sont pires que les hommes. Non, elles survivent.
C'est une stratégie de survie, inconsciente, accessoirement. On avait une question juste à côté, là, ouais. Oui, merci de me donner la parole. Moi, je fais un peu un témoignage du même genre, parce que moi, je ne travaille pas en informatique. J'ai commencé des études de physique et d'informatique dans les années 70, où il y avait très peu de filles, je peux le dire, aussi bien en sciences qu'en informatique. Depuis, j'ai été enseignante en physique et en informatique. Et s'il y a peu de filles en sciences, pour toutes les raisons que vous avez dites, il y en a encore moins en informatique. Et ça me désole complètement parce que avoir été un exemple pour mes élèves, ça marche pas. Et je trouve que ça s'aggrave, le côté genré partout. Aussi bien quand on va dans les magasins comme la FNAC, je trouve que ça s'aggrave et je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est... Alors, on en a une ici et une là-bas. Et là-bas. Ok, je t'ai noté. Je vais un peu rebondir sur ce que vous disiez. Donc, on a un constat vraiment assez pessimiste. Et bah, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'effectivement, comme le disait Katia, on a envie d'aller voir effectivement les gens au collège, au lycée, de leur montrer des personnes comme Anka pour justement leur susciter la vocation. Non, mais effectivement, pour leur dire, ben voilà, c'est possible et c'est pas un geek. Hein. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus à notre niveau pour améliorer ça ? Je crois qu'Isabelle a quelques. Oui, oui. Allez-y. Alors, oui. Premièrement. Alors pendant 10 ans, j'ai arrêté de travailler là-dessus parce que j'étais comme vous. Je me disais, j'ai pas d'idée. Il n'y a rien qui marche. Je ne vois pas. Et puis, j'ai fini par tomber sur des dispositifs qui ont marché. Et le premier truc que j'ai compris, c'est que, OK, si on veut vraiment, on y arrive. Est-ce qu'on a envie de mettre les moyens ? Ça, c'est une autre question, mais on y arrive. Alors, par exemple, moi, je ne travaille pas au niveau de l'entreprise. Je travaille au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais en même temps, si vous n'avez pas un vivier à embaucher, c'est compliqué d'embaucher. Hein. Ça, on est bien d'accord. Il y a des universités, par exemple Carnegie Mellon aux États-Unis en Pennsylvanie. Ils avaient un pourcentage de femmes absolument minuscule, hein, autour de 10%, enfin comme les voisins là-dessus, rien de bizarre. En 2000, donc alors que moi j'étais en train de découvrir la question en France, en 2000 ils ont lancé un grand projet qui s'appelait Women at SCS dans le but d'augmenter la part des femmes. En moins de 5 ans, ils sont passés à 40% de femmes. Aujourd'hui, 48% de femmes en informatique à Carnegie Mellon. Alors évidemment, ils ne les ont pas obligées. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégralement repensé leur mode de recrutement, la manière dont ils se présentaient aux jeunes femmes et aux jeunes hommes, et en particulier aux jeunes femmes à la sortie de l'enseignement secondaire, la manière dont ils imbriquaient leur enseignement avec la vie communautaire, la vie à l'extérieur de l'université et la manière dont ils se connectaient avec les entreprises. Ayant fait toute cette révolution, ils ont donné des cours de genre. Ils ont fait des cours de genre au sein de l'école. Alors pourquoi on fait des cours de genre ? Parce que quand les femmes commencent à se dire « Est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que je m'en sors ? Et même si j'ai des bonnes notes, est-ce que ça marche ?» Bah, s'il y a un cours qui vous explique que ce sentiment d'illégitimité qui grandit, il ne vient pas de vous, il vient d'une influence extérieure, ça change la donne. Et quand simultanément on explique aux hommes qu'une plaisanterie sexiste, bah c'est grave, c'est pas drôle, on va pas les pendre pour ça, la question elle est pas là, mais si chaque garçon fait une seule plaisanterie sexiste par mois, quand ils sont 30 pour deux filles, pour les filles c'est âgé continu. Si on leur explique pas une fois, je comprends qu'ils prennent pas la mesure du système. Donc ils ont fait des cours de genre, et puis en particulier, par exemple, ils ont vraiment transformer leur mode de recrutement. C'est-à-dire, bon, pour recruter des femmes, pour recruter les futurs ingénieurs en informatique, est-ce qu'une connaissance antérieure de la technique, c'est si utile que ça ? On va passer 5 ans à leur apprendre la technique. La connaissance antérieure, en général, c'est j'ai branché ma Livebox, j'ai fait une LAN party avec mes copains. Ouais, OK, les gens, ils mettent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils trouvent dans leur CV, mais c'est pas vraiment prédictif de leurs compétences en tant qu'ingénieur informatique dans 5 ans. Et les garçons, de par leur socialisation, avaient plus de choses à dire. Bon, eh bien, ils ont dit, il y a d'autres critères qui nous intéressent. Le bénévolat, les voyages, l'art, ça aussi, c'est des critères pour des ingénieurs, possiblement en informatique. Donc, plus de femmes ont pu candidater, et puis ensuite, ils ont joué le jeu.
c'était pas le tout de les faire candidater, il fallait les recruter. Donc, ils ont foncièrement transformé l'institution, et donc maintenant, voilà, 48% de femmes en informatique. Donc, c'est faisable. Et puis, il y a une autre école en Norvège. Alors là, elle a fait tout un tas de mesures, et puis elle en a fait une qui est radicale, elle a mis un quota. C'est-à-dire, en fait, ils ont recruté la promo d'informatique comme d'habitude, et ils ont ouvert 30 places supplémentaires pour les 30 femmes qui venaient ensuite sur la liste. Donc, ils ont mécaniquement ajouté 30 femmes de plus dans la promo. Quand je raconte ça dans certaines écoles d'informatique, bon, je vois que les gens se tortillent un peu sur leur chaise, ça ne met pas les gens très à l'aise, et ils disent « Est-ce que ça ne fait pas baisser le niveau ?» Alors, en France, là-dessus, je suis super à l'aise, parce que je dis « Il faut se demander, actuellement, pourquoi les meilleurs élèves ne viennent pas en informatique. Les mentions au bac, les meilleures mentions, sont tenues en majorité par des femmes. Si vous mettez un quota, vous montez le niveau. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on admet qu'il n'y a ni cerveau rose ni cerveau bleu, le fait qu'on ait 90% d'un sexe pour 10% de l'autre, c'est parce qu'il y a cette censure sociale tout du long qui se construit et qui fait que le jeu n'est pas fair-play. Si le jeu était fair-play, on serait en gros à 50-50. C'est qui les 40% d'hommes qui sont là, grâce à une discrimination positive, continue en leur faveur? Si on met un quota, on annule une discrimination positive. Alors, il y a des écoles qui me disent « Ah oui, mais dans notre ADN d'école, on ne peut pas faire ça. » Ok, vous ne pouvez pas faire ça. Mais ne me dites pas « J'ai tout essayé. » Ne me dites pas « On a fait tout ce qu'on a pu. » Ce n'est pas vrai. Il y a des solutions. Merci beaucoup. On avait une question par là-bas, Mona, si tu veux bien. Là, ouais, près du pilier. Bonjour. Moi, c'était pour témoigner... et aussi exprimer notre étonnement. On organise en fait des ateliers d'apprentissage de la programmation au sein de notre association pour le collège, pour fin de primaire et collège. Et c'est vrai qu'en organisant ces ateliers, je me suis rendu compte de ma chance, parce que là, quand on va dans les supermarchés, alors du coup, c'est très mixte, hein, le public, en disant « Venez apprendre à programmer », les parents, ils disent à leurs enfants « Garçons, allez, vas-y !» Et les filles, ils leur disent « Allez, on va faire les courses pendant ce temps. » Et ce n'est pas des clichés, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et même dans des endroits aussi mixtes que le supermarché, la galerie marchande qui est à côté, on a beaucoup plus de garçons, alors que proportionnellement dans la galerie, ce n'est pas le cas, en fait, qui font les ateliers de programmation. Et on s'est vraiment rendu compte que c'était les parents, en fait, qui poussaient les enfants garçons à faire ces ateliers. Nos ateliers se remplissent parce qu'ils sont gratuits, en, je sais pas, 10 minutes, on doit garder. Alors, du coup, des fois, on doit regarder avec attention s'il y a assez de garçons ou de filles, s'il y a une certaine mixité, parce que c'est bien les parents qui inscrivent ces jeunes. Ils ne s'inscrivent pas encore tout seuls. Donc, on sait que, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un vrai effort à faire sur les parents et qui, peut-être, pourra porter ses fruits plus tard. Et si je dis que j'ai une chance, c'est que moi, en fait, au collège, j'étais dans un collège de filles. Et du coup, quand l'équipement informatique est arrivé, c'était l'époque du Commodore 64, donc voilà. Eh ben, on avait de la chance parce qu'on avait des pères qui n'avaient que des filles. Et donc, ils sont venus nous faire les ateliers à nous parce que c'était leur passion, l'informatique. Et du coup, ils sont venus dans le collège proposer ces ateliers gratuits entre midi et deux. Et on a été toute une flopée à pouvoir se former sans discrimination, avec une accessibilité. Et on ne s'est jamais posé la question jusqu'au lycée si l'informatique était pour nous ou pas, vu qu'il n'y avait que des filles. Ok. Vous voulez réagir là-dessus ou on... Alors, moi, j'ai répondu en prenant par le haut sur l'enseignement supérieur. En fait, j'ai fait exprès de répondre sur l'enseignement supérieur parce que je rencontre des gens qui me disent « Ouh là là, l'enseignement supérieur, c'est trop tard, il faut les prendre tout petits, ils sont déjà tous stéréotypés, il faut les prendre au primaire. » Alors après, on me dit « Il faut les prendre en maternelle, il faut les prendre en crèche, il faut les prendre in utero. » Enfin, vous voyez le truc. On renvoie la responsabilité sur l'amont. Il faut les prendre partout. Hein, c'est-à-dire, ces ateliers de code, c'est utile. Venir dans les écoles parler de son métier, c'est utile. Tout ça, c'est utile. Mais à aucun niveau, on peut dire c'est trop tard, les stéréotypes ont été construits avant. Ouais. Dans les années 80, à l'époque, il y avait plein de filles qui faisaient du code. Je peux vous assurer que l'égalité des sexes, on ne l'avait pas non plus, quoi. C'est-à-dire, c'est jamais perdu. Il faut agir à tous les niveaux. Et toutes ces actions, en ce moment, on voit que ça marche. C'est-à-dire que, allez, je vais être dans le... Positive. Dans l'utopie, proche du délire, mais quand même, je fais quand même le pari. Enfin, là, ça fait 2 ans que je vois les choses qui changent. C'est-à-dire, ça fait 2 ans
par exemple, les trois plus grosses MIAG de France, informatique pour l'essence de gestion au niveau master, l'an dernier, dans les trois plus grosses, il y avait 30 à 40% de femmes. Ça ne s'était pas vu depuis les années 80. L'école 42, qui a fait parler énormément d'elle, qui a changé de direction et qui a maintenant une femme à sa tête, elle a fait une piscine non mixte pour femmes. On a dit non, mais on ne va jamais faire ça, on n'arrivera jamais à la remplir. Moi, chaque fois qu'on me dit ça, on ne va pas faire du non mixte, ça ne marchera pas, je dis chiche, il faut essayer. Eh bien, elle est remplie. C'est-à-dire, on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc, le nombre de diplômés est en train de grandir. Alors, avec un peu de chance, vous allez pouvoir les recruter. Alors, Isabelle, comme je t'ai dit, l'année dernière, j'étais dans une grande école de la région Grand Est. En fin de compte, c'était leur démarrage de stage et il y avait des conférences où j'ai participé. Je ne sais pas. Je pense que je pense qu'il devait y avoir autour de 70-80 étudiants. J'ai compté 5 filles. Je retourne la semaine prochaine. Je vais compter. et comme je t'ai dit, je me suis assise à côté. Justement, j'ai fait exprès de m'asseoir à côté de filles, donc là, elles étaient en majorité, pour justement essayer de les inspirer. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles avaient gommé toute trace de féminité. Les cinq étaient très neutres, jumper, pas de maquillage, comme si elles voulaient se fondre dans la masse. Alors, là, j'ai une remarque à faire, c'est un truc à double tranchant. Dans un IUT informatique, alors les IUT c'est là où il y a vraiment très 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 peu de filles, souvent ils sont à 7%, des choses comme ça, je me souviens d'une bibliothécaire, enfin la documentaliste de l'IUT me disait, et ces pauvres filles, en plus on voit bien elles sont obligées de se dissimuler, des fois je leur dis, mais allez-y, osez vous habiller en fille, il n'y a pas de raison. Je me dis, mais on fout la paix aux filles un peu quand même, c'est-à-dire elles font bien comme elles veulent. Moi, quand je suis arrivée en informatique, j'ai pu, à l'époque j'avais les cheveux en brosse. Le maquillage, je ne savais pas que ça existait. Il y a des photos. Il reste quelques photos, les gens les détiennent contre rançon. Mais j'étais absolument ravie qu'on me laisse tranquille avec la féminité. Et je me jugeais féminine, simplement pas comme ça. Et enfin, j'étais dans un endroit où je pouvais m'habiller comme je voulais et d'une manière qui me semblait confortable. De temps en temps, je ressors mes t-shirts d'informaticienne avec des messages écrits dessus parce que ça m'amuse. Et j'avais là, si à cet endroit-là, on m'avait dit oh, quand même, tu pourrais faire des efforts pour être féminine, j'aurais dit mais où il faut que je me réfugie pour qu'on me laisse tranquille. Alors, à l'inverse, il y a aussi des filles qui disent mais le jour où par hasard je vais mettre un t-shirt échancré, c'est l'émeute et je n'ai pas le droit à l'indifférence. Voilà, ça c'est vrai simultanément. Enfin, de toute façon, les femmes n'ont jamais le droit à l'indifférence sur la manière dont elles s'habillent. Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a un côté intégration. On essaie de faire partie du groupe, donc on s'intègre. On se lâche sur certains aspects. Mais je pense qu'il y a aussi un côté, on se sent moins jugé. On est d'un coup, on peut arriver sans maquillage. On sait qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de jugement là-dessus, qu'on fait partie du groupe, on ne se sent pas jugé, on n'a pas quelque chose à prouver. Et pour moi, c'est quand même un aspect assez positif. Enfin, c'est... Alors, j'ai dans mes équipes actuellement une personne, donc une fille, qui était en master dans une école très prestigieuse, un top 5, qui en fin de compte a subi du harcèlement. Elle était dans un master... vraiment spécialisée finance, donc pour former, j'avoue que mon ignorance, hein, je ne savais pas qu'en fin de compte, il y a des écoles qui forment des brokers qui sont après demandés dans le monde entier, à Londres, à Wall Street. C'est eux qui foutent en l'air le système mondial. Ils sont bien connus. Et donc, là, j'ai eu un témoignage de près, en fin de compte, de la cruauté, parce qu'elle avait la chance ou la malchance d'être très mignonne, très féminine, et elle ne s'est pas cachée. Donc, elle a arrêté ce cycle, elle a eu des problèmes de santé. Elle s'est réfugiée dans l'informatique. Elle a fait une année en informatique, où là, pour le coup, elle était comme un poisson dans l'eau. Après, elle a changé son cursus, et actuellement, elle a le meilleur des deux mondes, parce que le contrôle de gestion, tout ça l'intéressait. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, quand des fois c'est la femme est en minorité, peut être aussi une cible. Et là, concrètement, elle a dû arrêter.
On a une question, on a encore deux questions là dans le public. Ouais, je vous ai vu derrière. Allez-y. Bonsoir. Alors ma question, c'est dans ces applications, dans ces métiers, qu'est-ce qui fait rêver ? Qu'est-ce qui fait rêver des possibles ? Est-ce que ces applications, pour moi, c'est des moyens ? C'est comme la voiture. Quand j'étais ado, je m'intéressais à la voiture et maintenant, c'est un outil de déplacement, c'est tout, point barre. L'application, ça me semble être la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous fait rêver à quelque chose qui peut devenir, qui peut être intéressant, etc. Hormis ce qu'on parlait des financiers. Ouais, bon, je ne sais pas, il y a quand même des, c'est quand même des filières avec beaucoup de réalisations. Mais effectivement, la question sur... si j'essaye de voir si j'ai bien compris votre question, vous parlez de la question de l'attractivité du produit fini, en quelque sorte, c'est ça ? Du coup, vous n'avez plus le micro, mais voilà, il va revenir très vite, vous allez voir. Pas seulement l'attractivité du produit, c'est-à-dire que l'être humain, il a besoin de se réaliser quelque part, et il a besoin de se dépasser, enfin, je présume. Et... ces applications, ces outils, encore une fois, ce que je redis, ce n'est qu'un moyen pour arriver quelque part. Donc, pour qu'une personne puisse s'intéresser à quelque chose, il faut qu'elle puisse voir un chemin qui pousse un peu plus loin. Est-ce que je suis plus compréhensible ? Je vais être assez subjective. On va voir avec la réponse dans le cas. J'espère que je vais être claire. Je vais être assez subjective parce que je travaille dans un domaine assez précis, donc tout ce qui est traitement automatique du langage avec Watson. Je pense que oui, ça fait rêver, mais peut-être que parfois on cache un peu le rêve parce que lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on dit souvent c'est magique, ça fait tout seul, on n'a rien à faire. Alors qu'en vrai, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'humains derrière. L'intelligence artificielle, elle apprend beaucoup de l'humain. Et moi, je considère qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de défis à relever, surtout dans ce domaine-là qui est l'analyse du langage. Pour moi, c'est l'une des plus compliquées branches de l'intelligence artificielle parce qu'on est en contact direct, on va dire, avec l'humain, avec sa manière de s'exprimer. Et on sait très bien que les humains, ils n'aiment pas les règles, donc ils ne vont pas s'exprimer de manière... très formel, pas comme une machine, donc il va essayer de justement d'aller contre les règles. Enfin, les humains, ils sont créatifs, donc travailler avec le langage, c'est vraiment un défi au quotidien parce que ce qu'on cherche, c'est On peut donner un exemple précis. Donc, on travaille pour un client bancaire. Un client envoie un mail. Je veux clôturer mon compte. 3 points ou 6 points d'exclamation. Est-ce que le client veut vraiment clôturer le compte ou il veut dire à son conseiller qu'il est très mécontent? Et qu'en écrivant ça, ce qu'il veut, c'est attirer son attention pour que justement il soit rappelé. Les intentions. Alors sinon, moi, je vais essayer de vous faire rêver avec du fantasme. Alors, ça, là, on avait du concret. Maintenant, moi, je vais aller dans le fantasme. Ouais. Les pères de l'informatique, on peut débattre, mais pour moi, dans les pères de l'informatique, il y a Alan Turing, il y a Norbert Wiener. Il y a John von Neumann. Ce qu'il voulait faire, c'est dupliquer le cerveau humain. John von Neumann, il pensait même que l'aboutissement de la science, c'était être capable de modéliser le cerveau humain. Ce qu'ils ont fait, c'est des grosses machines statistiques pour faire des calculs balistiques pour la plupart d'entre eux, ou programmer la riposte nucléaire dans le cas de John von Neumann. Donc, on était loin du cerveau humain. Hein. Mais quand même, au départ, ce qu'ils cherchaient, c'est dupliquer l'humain. Et pas n'importe lequel. C'est quand on voit comment John von Neumann décrit le cerveau humain et le cerveau numérique qui devra le reproduire. En fait, il écrit son propre cerveau. C'est-à-dire que ces personnes-là avaient des fantasmes d'auto-engendrement. C'est-à-dire réussir à s'engendrer, à dupliquer leur cerveau au sein de la machine. Alors oui, les machines qui étaient faites à l'époque, elles en étaient évidemment très très loin. Mais après, moi, j'ai continué... Alors, soit à lire des interviews d'informaticiens, soit à interviewer des informaticiens, dans un certain nombre de domaines, ce fantasme, il n'est pas très loin. J'ai recueilli une interview d'un informaticien qui m'a raconté qu'une fois il était en formation et son formateur en Californie lui a dit « Bon, nos programmes, ils sont partout, ils contrôlent la planète. Voilà, ça y est, on est les maîtres du monde. Maintenant, il faut faire des programmes qui marchent. »
Bon, évidemment, c'est une boutade. Mais cette idée que l'informatique est partout et que pour interagir avec l'informatique dans le monde social, on est obligé de passer par les codes des programmeurs qu'ils nous ont imposés et que donc les programmeurs ont la main sur le monde en contrôlant les programmes, il y a des fantasmes de puissance et de pouvoir démesurés là-dessous. Ordinateur, étymologiquement, c'est, et ça vient de chez IBM, Dieu qui met de l'ordre dans le monde. C'est-à-dire que quand IBM a cherché un nom pour sa machine, ils sont allés demander à un prof de lettres qui s'appelait Jacques Perret comment on pourrait appeler ce computer, et Jacques Perret, il a compulsé des brochures IBM, mais il a en même temps lu Cybernétique et Société de Norbert Wiener, et il a dit pourquoi on ne l'appellerait pas ordinateur, la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde. Que penser de l'homme qui programme la machine qui, à l'instar de Dieu, met de l'ordre dans le monde? Donc oui, il y a des fantasmes de pouvoir, de puissance et d'auto-engendrement derrière. Alors évidemment, quand on se retrouve avec son téléphone, les fantasmes, ils sont plus petits. Hein. Mais quand même, on est connecté à quelque chose, on a un pouvoir sur les choses, ou en tout cas, on a le sentiment d'eux. C'est aussi pour ça que le numérique, c'est loin d'être neutre dans l'interaction qu'on a avec lui. Merci de nous emmener jusqu'au niveau de Dieu. Donc, il n'y a pas de pression pour votre question là-bas. Moi, je voulais revenir sur la question des solutions, puisqu'on a parlé de comment on fait pour faire venir des femmes dans ces domaines-là. Et ces derniers temps, je me questionnais sur les questions d'orientation tout au long de la vie. Je me disais finalement, les bifurcations dans les trajectoires professionnelles, quelque part, elles sont connotées avec plus de risques pour une femme. C'est-à-dire, tout reprendre du début dans un nouveau domaine, c'est quelque chose qui va être très mal perçu chez quelqu'un qui est plutôt une femme, surtout si c'est à une période de sa vie où on estime que c'est plutôt sa période pour avoir des enfants et que donc on ne va pas recommencer autre chose, alors que peut-être on ferait bien de rester là où on est, en fait, ce n'est pas plus mal. Or, les carrières actuellement, elles sont très fractionnées, et si on regarde globalement sur les carrières hommes ou femmes, il va y avoir des changements. Mais du coup, la question, la prise de risque d'aller vers quelque chose qui serait un tout nouveau secteur d'activité, elle est problématique. Et donc, je me suis demandé, est-ce que c'est pas aussi vraiment un endroit où il y a un enjeu très très fort, parce que globalement, il y a des biais. Il y a des biais sexistes qui vont faire que les choix initiaux qui se font à un moment de questionnement sur son identité en tant qu'individu, en tant que femme, etc., peuvent se faire de façon difficile à changer comme ça, là, maintenant. Mais par contre, un peu plus tard, une fois qu'on a fait une partie de sa carrière et qu'on est finalement plus affirmé en tant que personne, c'est peut-être aussi plus simple de se projeter dans des domaines qui ne sont pas genrés spécifiquement pour les femmes. Et voilà. Et je me suis demandé si ce n'était pas un endroit où peut-être on aurait intérêt à mettre le paquet d'une certaine manière pour qu'il y ait un changement qui s'opère. Et d'après ce que j'ai entendu des écoles qui font du type école de la deuxième chance, programmation, enfin, qui amènent la programmation en cours slot, etc., ils ont du mal à recruter les filles. Les femmes, d'ailleurs, enfin, voilà, ils ont du mal à recruter des femmes. Et d'ailleurs, des personnes issues de milieux moins favorisés, parce qu'à ce côté, je ne peux pas me permettre de recommencer à zéro. Et voilà, et donc c'était un élément. Et puis deuxième question, j'en profite juste. Je me demandais quelle était votre position sur la question de l'écriture inclusive, épicène. Voilà, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Alors, ces écoles qui ont du mal à recruter, eh ben, y a des solutions. Moi, j'ai fait de l'ingénierie de formation dans un centre de formation non mixte pour femmes à Bruxelles. Eh ben, je vous assure que tous les ans, on sortait des promos complètes de femmes informaticiennes. Hein. On était non mixte. C'est-à-dire, on recrutait des femmes demandeuses d'emploi, souvent en rupture de parcours, etc., que nous envoyait l'Agence pour l'emploi belge. Ces femmes venaient en disant... Ah bah tiens, c'est bizarre que ce soit non mixte, c'était pas nécessaire pourtant, mais on savait très bien que ça avait été mixte, elle serait jamais venue.
Et puis tous les ans, on sortait des promos complètes. Et on avait un taux de replacement à l'épaule de 70%. Parce que l'avantage, ces reconversions sont plus risquées pour les hommes que pour les femmes. Alors moi, j'ai rien compris. J'étais informaticienne, je suis devenue sociologue. Normalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut le faire dans l'autre sens. Parce que pour le coup, c'est des métiers où il y a de l'emploi. C'est-à-dire, c'est plus risqué. Mais quand on part d'un métier où il n'y a pas d'emploi vers un métier qui embauche autant que l'informatique, dans un sens, le risque s'amortit parce qu'on arrive dans un métier particulièrement porteur. Dans les écoles de la grande école du numérique, il y a des écoles qui ont fait des sas d'entrée non mixtes. C'est-à-dire ils proposent des formations, enfin, des séances d'information, des petites formations très courtes non mixtes. Et ensuite, si les personnes sont intéressées, elles s'inscrivent à la formation elle-même. Bon, ben, ce sas non mixte permet aux femmes d'être nombreuses et entre elles. Et ensuite, quand elles s'inscrivent en formation, elles n'ont pas peur d'être une, elles s'inscrivent en groupe. Donc, il y a des solutions. Il faut être un peu créatif et puis il faut vouloir vraiment les mettre en œuvre pour pouvoir faire, comme vous dites, c'est l'école de la deuxième chance, etc. Pas une fatalité, ouais. Quoi. Hein. Voilà. Ouais. Pour la petite histoire, d'ici 5 ans, il va manquer 100 000 développeurs en France. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai un besoin énorme de développeurs dans toutes les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle, donc Python, C Sharp, JavaScript, pour pas le nommer, je ne trouve pas. Donc comme je ne trouve pas, maintenant je cherche partout. Et en fin de compte, au départ, quand je suis arrivée à Strasbourg, je rêvais d'embaucher du Strasbourgeois. Après, j'ai ouvert le cercle. Là, je regarde en dehors de la France, puisque je n'arrive pas à trouver de développeurs ou euses. Alors développeuse, on en a dans les équipes et très 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 bonne. Alors Anka, je la considère plutôt dans la data science. J'ai des filles développeuses dans les équipes en début de carrière avec énormément d'envie, mais on va dire que au niveau de la féminisation et au niveau des jobs, j'ai plus de business analystes femmes que de développeuses. Développeuses, c'est une petite minorité. Mais on est toujours dans le même exemple. Je n'en trouve pas. Je serais ravie d'en recruter, mais malheureusement, c'est plus compliqué. Alors, sur l'écriture inclusive, j'ai cru comprendre que c'était un péril mortel en France. Alors, honnêtement, à Genève, quand l'Académie française a dit ça, on a beaucoup ri. La Tribune de Genève m'a interviewée, on était passablement mort de rire. On s'est dit, la France a des vrais problèmes en ce moment comme l'écriture inclusive. Bon, plus sérieusement... Souvent, on me dit, ouais, mais quand même, c'est pas beau. C'est tiré, c'est pas beau. Ou bien dire, les étudiants, les étudiantes, les enseignants, les enseignantes, les informaticiens, les informaticiennes. Ouais, et puis c'est pénible en plus. Ah, je suis d'accord, hein, c'est pénible. Moi aussi, ça m'embête de faire la double flexion à chaque fois. C'est pas beau. Qu'est-ce qui est grave ? C'est pas égalitaire ou c'est pas beau ? Moi, je préfère être pas beau et égalitaire. Pas beau, finalement, j'arrive à passer outre. Il ne s'agit pas d'écrire un roman. Hein. Le truc le plus stupide que j'ai vu, c'est quand on avait réécrit une fable de La Fontaine à l'écriture inclusive. Ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à écrire des offres d'emploi. Ça sert à faire des brochures qui parlent à tous et à toutes. Et on sait que ça marche. Je veux dire, en plus, ça se mesure. C'est-à-dire que j'ai un collègue à l'université de Fribourg qui s'appelle Gidax, qui est un psycholinguiste et qui mesure l'impact de l'écriture inclusive sur la représentation des individus. Est-ce qu'ils arrivent à se représenter des hommes et des femmes dans des collectifs masculins, il au pluriel, ou est-ce qu'ils n'arrivent pas ? Eh bien, ça se mesure, hein, ils n'arrivent pas. Et même quand on écrit la phrase prétexte, le masculin est utilisé sans préjuger du sexe de la personne et englobe aussi bien le féminin que le masculin, ça ne marche pas. Voilà. Alors, il ne faut pas essayer de se dédouaner avec ce genre de truc. On y va ou on n'y va pas. Mais le fait est, le « il » au pluriel, depuis tout petit, on apprend qu'au singulier, c'est « il », et quand il y a beaucoup de garçons, c'est « il » au pluriel. Mais alors, dans certains cas, il peut y avoir des femmes au milieu, mais on dit quand même « il », parce que même s'il y a une fille et 1000 garçons, pardon, l'inverse, enfin bref. De toute façon, le cerveau n'est pas capable, dans un collectif masculin pluriel, de se représenter du mixte. Il doit faire un effort, ça lui prend plus de temps. Donc l'écriture inclusive, ça marche. Et quand vous mettez ce qu'on met, nous, en bas de nos offres d'emploi, les candidatures du sexe minoritaire sont encouragées, ou à compétences équivalentes, les dossiers du sexe minoritaire seront préférés, ça transforme
les candidatures, ça transforme la proportion homme-femme dans les candidatures. C'est-à-dire mettre une phrase comme ça est une façon de dire les femmes sont bienvenues et elles sont plus nombreuses à candidater. Donc, peut-être c'est pas beau, mais peut-être on s'en moque parce que ça produit quand même de l'égalité. On a encore une question là-bas. Oui. Super, vous avez déjà le micro. Oui, j'aurais une question, mais juste avant, je voudrais rebondir un peu sur la question précédente par rapport notamment aux écoles de la deuxième chance. Moi, je viens de faire le concours, donc la piscine de 42, et j'ai vraiment ressenti le changement par rapport au fait que ce soit une directrice. On sent qu'elle est très bien formée sur ces questions-là et qu'elle n'a pas réussi, ou enfin, il y a un peu peut-être des problèmes internes où il n'y a pas de quota, mais que du coup, ils pensent à des solutions alternatives pour régler ces problèmes. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais après, ma question, c'était surtout pour les personnes qui travaillent à IBM. Du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce que vous faites et c'est quoi l'objectif de Watson, le produit, un peu juste par curiosité? Oui, alors, elles vont répondre, mais on va essayer quand même de rester dans le sujet. Hein. Oui. On va schématiser. On va dire que, et tu en ajoutes ou tu me corriges si je me trompe, quand on déploie un projet d'intelligence artificielle, il y a quatre grandes catégories de types de profils. Femmes, hommes, bien évidemment. On va dire qu'il y a une partie, c'est une transformation dans les entreprises. Parce que qu'est-ce que ça veut dire intelligence augmentée? Ça veut dire, par exemple, tu vas mettre en place un chatbot pour aider soit tes conseillers bancaires. Un robot de conversation. Voilà, un assistant virtuel. Puisque nous... Vous parlez pas de robots, j'imagine. Non, et en fin de compte, ce client français fait un point d'honneur à ce que tout soit en français. Donc, on a des assistants virtuels, on a de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance vocale, alors que dans le marché, on utilise les termes anglais. Donc, on a une partie en amont qui est le recueil de besoins, qui va être des profils plutôt business analystes. Donc, on va dire plutôt des gens de formation école de commerce qui vont être des consultants, donc qui vont pouvoir animer des ateliers, parler avec les métiers. Par exemple, un exemple, quelqu'un qui travaille dans l'épargne, à qui il va pouvoir collecter en fin de compte tout le type de questions qu'un utilisateur va pouvoir poser. Et après, on va dire dans un deuxième temps, il y a une partie plus technique. Donc, on va dire qu'il y a une partie plus fonctionnelle dans les projets et une partie plus technique. Dans la partie technique, là, viendront s'inclure les développeurs, les data scientists. Après, il y a des architectes, puisque, bien évidemment, la technologie est dessus. Donc, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on va dire que, schématiquement, c'est le genre de métier qu'il y a. Donc, je ne sais pas si, Anka, tu veux... Non, c'est bon. J'ai bien aimé. On a encore une question ? Allez-y, ouais. Merci. Moi, je voulais revenir sur la question des quotas. Je veux savoir ce que vous en pensez, parce que le problème des quotas, évidemment, c'est qu'on accuse souvent après ces femmes qui ont des places de ne pas être légitimes et d'être là juste par quotas. Et je voulais savoir si à IBM, est-ce que vous recrutiez, est-ce que vous faisiez des promotions justement sur les quotas et comment vous faites pour aider ces femmes à garder leur légitimité? Alors. De par mon expérience, ce que je peux te dire, c'est qu'au fil de ma carrière, je n'ai pas honte de le dire, je pense que j'ai dû, à un moment donné, en faire le double que peut-être un collègue masculin, parce que j'avais eu la bonne idée d'avoir 3 enfants, donc je ne voulais pas surtout... Alors, je crois qu'un des meilleurs compliments qu'on m'ait fait, c'est quand j'ai quitté l'Espagne, c'est un collègue qui est venu me voir. Alors moi, j'ai... Mes collègues espagnols, c'est comme ma deuxième famille. J'ai une très, 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 très bonne expérience. Donc régulièrement, je vais les voir. Et un an après être partie, on m'a dit, par rapport à un collègue qui m'avait remplacée, en fin de compte, j'avais été 5 ans sur le poste. En 5 ans, on ne s'est jamais rendu compte que tu étais maman. Et c'est dur à entendre, mais quelque part, ça voulait dire... Tu as fait le job, tu t'es pas plaint, tu as géré. Et donc, il y a toujours ce côté, effectivement, où on doit démontrer. Quant au quota, est-ce que tu parles? Effectivement, IBM a mis en place une politique où ils veulent mettre en avant les femmes. Alors, est-ce que c'est
là, le principe d'égalité, je te rejoins un petit peu, c'est-à-dire que si on n'ouvre pas la porte, et ce n'est pas une question de légitimité, parce que si la personne, en gros, ne fait pas le job, je pense qu'elle va durer, 9-12 mois. Après, on est dans un monde très compétitif, donc si la personne n'est pas au rendez-vous, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme, elle va pas durer dans le poste. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je l'ai vécu dans ma carrière. J'ai eu vraiment le sentiment qu'il fallait que j'en fasse plus pour avoir une promo. C'est-à-dire en faire plus pour avoir autant. Voilà. Et ça, c'est quand même un gros problème. Toute façon, sur cette histoire des quotas, quand il y en a, on questionne votre légitimité. Quand il n'y en a pas, on questionne votre légitimité. Donc, on y va, on ouvre notre grande bouche, on y va, on prend notre place. C'est-à-dire, ça a été la même chose avec la parité en politique. On s'est demandé, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on ne va pas chercher des femmes qui n'ont pas envie de venir, etc. Mais sinon, on n'allait pas les chercher. Donc, peut-être qu'on ne va pas chercher que les bonnes. Bah, oui, tous les mecs ne sont pas non plus légitimes là où ils sont. Mais au moins, on va les chercher. Et une fois qu'on est là, on prend notre place parce qu'on sait qu'on a notre place. Et que toute cette censure sociale qui nous poussait dehors, c'est elle qui n'est pas légitime. Donc, de toute façon, en tant que femme cadre, en tant que femme scientifique, en tant que femme qui veut prendre une place, il y aura souvent une minorité d'hommes, mais éventuellement visibles et bruyants, qui vont discuter votre place. Quota, pas quota, vous êtes légitime, point barre. Et ça ne doit pas être un sujet. Là, c'est juste mon côté linguiste qui a un peu envie de prendre le dessus. On dit souvent faire plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je ne pense pas qu'on fait plus en termes de travail, en termes de compétences. On n'a pas peut-être besoin de faire plus. Par contre, on a besoin de le prouver plus. Enfin, on est plus dans le fait de faire ses preuves que dans le fait d'avoir les compétences. Enfin, je ne sais pas si on a besoin d'avoir un double de compétences. D'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord lié au fait que je me suis vue à traiter peut-être 8 sujets, là où mon collègue d'à côté en traitait 4. Et c'était normal parce que moi je le faisais. Donc, oui, mais ce qui aurait été normal, c'est que lui en traite 6 et moi j'en traite 6. Ça aurait été normal. Et donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai aussi, à un moment de ma carrière, fait plus, parce que j'avais plus de charges. Mais il y a de tout, bien évidemment. Est-ce qu'on a encore une question? Non? C'est bon? Ah, Emmanuel. C'est bon, le micro va arriver. Oui, juste une réflexion. Je me demande si finalement la bataille suivante, c'est pas finalement dans la tech et dans ce que vous racontez. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est le plus recherché maintenant, c'est plutôt des profils hybrides que des purs, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, on a face à nous que des hybrides, en réalité. Et l'hybridité, elle permet aussi de créer des places, d'une certaine façon. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi une piste, c'est-à-dire que je vois pas mal de biologistes, de personnes en littérature, en linguistique, en sciences de gestion, vous en avez parlé, etc., qui finalement ont une bonne moitié des compétences qui sont nécessaires pour les postes qui sont en train d'émerger, et il leur manque que le petit patch technique. Et ça, à la limite, ça s'attrape assez facilement, j'ai l'impression. Alors que attraper les principes de la linguistique ou attraper les datas de l'astrophysique, par exemple, ou attraper la chimie, enfin voilà, c'est pas si évident que ça comme à faire sur un coin de table. Alors je dis pas que c'est facile d'attraper l'informatique sur un coin de table, mais j'ai l'impression que les postes qui sont en train d'émerger, les besoins en recrutement qui sont en train d'émerger, sont plus des hybrides que des profils pure tech. Et je me demandais si vous confirmez cette impression-là ou pas. Alors, je m'occupe de recrutement, donc j'ai vraiment une vision très claire là-dessus. Je te dirais que oui et non. C'est-à-dire que la moitié des besoins sont full hybrides. Mais j'ai aussi besoin de pure technique. J'ai besoin de gens qui codent.
Et pour ça, il faut principalement des gens qui sont issus de formation ingénieur informatique. Alors, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'avant, il y avait, notamment en France, bon, c'est un petit peu moins le cas dans d'autres pays, la suprématie du bac plus 5. Vu le manque criant de ressources, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas besoin d'être bac plus 5 pour une grosse partie de métier, et qu'avec une formation bac plus 2, on aurait des gens qui pourraient déjà prendre l'autoroute du numérique et participer en toute légitimité dans les nouveaux métiers. Donc là, il y a un grand travail de réflexion, et notamment IBM a lancé cette année, il y a un forum qui s'appelle VivaTech qui est lié au mois de mai. La veille, il y a Tech for Good qui a lieu à l'Elysée. Donc Ginny Rometty, la PDG d'IBM, elle était en charge de Tech for Education, et elle était toute seule l'année d'avant. Cette année, elle a été avec le PDG d'Orange et le PDG de BNP, où ils ont lancé, ils ont répliqué en fin de compte ce qui avait été fait aux États-Unis, qui s'appelle PTech, qui est en fin de compte un programme qui va être développé. Donc là, il y a un pilote, donc un lycée à Lille et un autre lycée en région parisienne, en zone, plutôt défavorisée, pour justement prendre en main, depuis le lycée, toute une classe, et de pouvoir les suivre, pouvoir les coacher, pouvoir faire du mentoring, pouvoir leur donner la possibilité de faire des stages pour justement les accompagner jusqu'à niveau BTS, pour qu'après, on puisse les recruter. Donc voilà un type de programme qu'on a mis en œuvre. Et quelque part, se dire, donc Ginny Rometty les appelle les new collars. Historiquement, il y a eu les blue collars, les ouvriers, les white collars, les cadres. Maintenant, elle parle de new collar, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui doit absolument prendre l'autoroute du numérique et ne pas rester sur le bord de la route, pour que ça soit inclusif et pas toute une catégorie de la population qui reste en dehors de cette transformation, cette révolution numérique. Moi, j'avais deux remarques. La première, c'était par rapport au fait que les principes de la linguistique, ça serait plus simple à apprendre que les principes de l'informatique. Pour avoir découvert les deux en même temps, ce n'est pas tout à fait le cas. D'accord. Non. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je suis plutôt d'accord. pardon. La deuxième, c'était par rapport aux nouvelles technologies. Je pense que justement, là où il y a un peu... où on peut se faire aider par les nouvelles technologies, c'est qu'elles se renouvellent tellement et que de jour en jour, on découvre de nouvelles technologies et ça évolue. Donc ça permet en fait de créer de l'emploi et de créer de nouvelles, on va dire, de nouvelles professions qui n'existaient pas auparavant. Donc je trouve que ça encourage justement les gens de, pas peut-être de devenir hybrides, mais d'aller vers ces profils-là. Merci. Donc on a le temps là pour une dernière question, s'il y en a une. Non, j'ai l'impression qu'on a... Ah si, allez, hop. Une question en forme de conclusion, ça serait vraiment bien. Pas de pression. Désolé, j'ai pas dans le sac. Non, alors c'est pour rebondir aussi sur ce que vous disiez par rapport à l'évolution des technologies. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi de plus en plus de déconnexion entre les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. On va avoir 10% de la population qui savent plus ou moins ce qu'on fait dans l'informatique, dans l'IA, etc. Et 90% qui ne savent plus du tout, qui sont perdus et qui ont l'impression que c'est un peu magique, en fait. Et donc, quand on commence à avoir des biais d'un côté, 10% déjà des gens, en fait, qui savent qu'il peut y avoir des biais, et 90% qui ne s'en rendent même pas compte, enfin, qui ne s'en rendent plus compte, qui ne sont plus capables de s'en rendre compte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi dans ce sens-là? Est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu éduquer ou en tout cas sensibiliser, démystifier un peu la technologie pour qu'on puisse derrière se rendre compte aussi qu'il y a des biais et faire pression pour les corriger? Ouais, je pense que c'est exactement la question qu'il nous fallait pour conclure Il y a quelque chose dont je parle souvent, c'est ce qu'on appelle l'innumérisme, c'est l'analphabétisme du côté des nombres et des sciences. Et oui, il y a un grand innumérisme.
Il y a aussi, enfin, ça commence par une incompétence en maths assez généralisée dans la population, une incompréhension des technosciences assez généralisée, et puis une croyance essentialiste dans les capacités natives des jeunes qui, étant nés avec l'ordinateur, sauraient intuitivement utiliser ces outils. Alors moi, quand je suis née, la voiture existait déjà, je ne savais pas la conduire. Hein. Il a fallu que je passe un permis. Et pour les milléniaux ou pour ces jeunes nés avec l'ordinateur ou le téléphone portable, c'est absolument pareil. En fait, ce qu'on réalise quand on fait des études sur les jeunes, c'est que la plupart ont un usage extrêmement passif de ces techniques. Ils consomment des vidéos, ils échangent éventuellement des messages avec des amis, mais ils n'ont pas du tout une maîtrise des outils. Il y a des jeunes qui s'inscrivent à Pôle emploi et on leur dit on va vous répondre par mail. Ils disent j'ai pas de mail, mais vous avez un smartphone. Et alors, ben, on peut recevoir des mails. Ah bon, je ne savais pas. Le smartphone est un bijou, un objet de luxe. Ils ne savent pas qu'on peut recevoir les mails avec. Donc oui, il faut absolument partager les savoirs techniques et scientifiques. Il faut absolument partager la technoscience. Sauf que ce n'est pas tant un partage du savoir, c'est un partage du pouvoir. Et est-ce que les personnes qui détiennent ce pouvoir sur la technoscience ont complètement envie de le partager avec les gens qui ne leur ressemblent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas, dans un petit coin de leur tête, de façon avouée ou pas, peur que si ce pouvoir leur échappe, ça devienne un truc monstrueux dont ils ne veulent pas? Ça, c'est un vrai problème. Et actuellement, la question, c'est ce partage du pouvoir sur la science. C'est vrai pour la technique, c'est vrai pour les questions d'environnement, c'est vrai pour les questions de génie génétique, etc., etc. Voilà. Merci. Merci à tous. Vous pouvez applaudir nos intervenantes. Donc, Isabelle Collet, Katia Busson et Anka Alexandra Bocca. Cette fois, j'ai réussi à le dire correctement. Si vous êtes venu ici par Facebook, n'hésitez pas à cliquer sur j'y étais, etc. Parce que comme ça, on pourra vous réinviter, parce que ces algorithmes marchent très bien. Et que notre cycle Tous connectés et après continue. On a un rendez-vous en novembre et puis on en aura d'autres au cours de l'année 2020. Et que comme vous avez pu le constater, c'est super bien. Et donc, je remets une petite louche sur cet passionnant ouvrage d'Isabelle Collet, Les oubliés du numérique, donc aux éditions Le Passeur, et qui nous fait voyager dans l'histoire de l'informatique, avec où étaient les femmes et où elles sont aujourd'hui. C'est passionnant, ça se lit vraiment très bien. C'est en partie en écriture inclusive, en partie pas. C'est très intéressant à lire et très agréable. Voilà. Je rappelle que Rue 89 Strasbourg est un petit média local indépendant, que nous sommes pratiquement le seul média local qui fait des enquêtes, de l'investigation, et que vous êtes les bienvenus pour prendre un petit abonnement à 5€ par mois, c'est pas cher, et ça permet de financer des rencontres comme celle-là, et puis de garder un journalisme local proche. Voilà. Merci à tous, bonne soirée.